Lange. Lange, chantez tout le monde. Mon Dieu, je ne lange pas. Il y a un mauvais mot. Oh, mon Dieu, je ne lange pas. Il y a un mauvais mot. Appelez-moi. Oh, mais je te langue, non, mon chouralé. Yo, appelez-moi, ton langue chouralé. Non, langue chouralé. Oh, mais je l'ai, non, il y a une autre langue, une autre mouche ou la lettre. La connexion dérange, comment ça? C'est flou. Moi, je vois que c'est clair. C'est flou. Yeah, c'est l'umbrakata des sorciers, non? C'est les vieilles chouettes que je vais chasser. La team PDG, ce soir, je prends les décisions. La seule patronne, c'est moi. Et maman, tinga. Bachelu tinga, l'osamé tinga, que c'est flou. Le la mole chouga, ni l'or langue chouga, du sikambou. Maman ton râle, papa ton râle, maman ton râle, maman ton râle. La connexion n'est pas bonne, d'accord, je coupe alors, je reprends. Ouais, gamba. Je coupe, je. La connexion est mauvaise, attendez. Un moment danger, non, mon guéchoualou. Un moment danger, l'on langue chouralé. Pour yo, l'on langue chouralé. Eh, marine comme si l'on l'a. Je coupe alors, je reprends. C'est clairement faux. Je coupe alors. Je coupe ou pas? Pour regarder mes directs, il faut avoir les bons téléphones. C'est flou, je coupe. Hein? Pauline la douce, tu as ramassé le téléphone où? Les gens que je vais virer ce soir commencent à commenter en premier. D-Queen, tu es du Mboma, non? Je bloque tous ceux qui sont du Mboma, ou c'est Mboma, ou c'est quoi là? On sent que tu pars déjà, hein? Champ Production. Smith, Amika, c'est bon ou pas? Mais j'ai langue chouga, les mamans ou leur mot chouga. C'est mieux ou pas? Quand on a une belle poitrine, on la met en valeur. Minani Tosta de tous les camps. Une sardinade que.
ma reine galloise. C'est pas flou. Francis, mon chéri, regarde ce que je vais te faire. Regarde l'espagnol. L'espagnol que go give you. Ciao. Donc, bonsoir tout le monde. Luis Ndolo, Meyega, Amanke. Ne coupe pas. On va baisser le club, non. Ne coupe pas, je ne coupe pas. Laure Samuel, Marie-Paul Pondy. Bonjour à toi, l'avocat. Oh yes, oh yes. Allez biper les, allez réveiller même les morts. Biper des cimetières. Bipez-moi les cimetières, tous les cimetières. Allez biper ceux qui sont au cimetière. Je coupe ou pas? Ouais, Kikine, l'homme, mais avec une kikinette, tu ne peux pas faire une espagnole. Hein? Une kikinette. Non, quand un gars a une kikinette, non, c'est pas possible de faire une branlée à l'espagnole. Parce que quand quelqu'un a une petite kikinette, pour faire une espagnole, ça ne tient pas. Parce que l'espagnole, il faut la tenir. Pour bien la raffermir, pour qu'elle soit bien chaude. Une kikinette, ça fait floup. On ne gère pas les kikinettes. Bipez tout le monde. Pas pour les kikinettes, oh, les lolo non kikinettes. Ma faute, faux son. Vous êtes là ou pas? Donc, je peux commencer. Il est combien de minutes? Ça fait combien de minutes que j'ai lancé le live? Marietta Flore, ne parle pas trop ce soir. Vous êtes une bande de quai. Je vais seulement appuyer, c'est-à-dire. Ceux qui sont pressés, allez dormir. Ce soir, je vais être... Je vais me présenter parce que je pense que c'est mieux. Est-ce que baisse le volume? Non. Est-ce que vous entendez la musique? Vanessa Kahl, tu veux que je prononce ton nom? Quand tu vas te faire faux profil célèbre, tu vas venir ici là déranger. Je ne prononce plus les noms des FP. Nanga, viens de gata pour moi. Allez, langue. Y'a Jonza, allô. Tu peux passer quand tu veux, tout est caché, hein. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers fans. Attendez, je vais bien m'asseoir pour que... Je ne vais pas crier. Voilà. Oh, pas tu sais, pas je n'en ai pas dit non, maman. Pas tu veux un dingue là?
yege ma panji pe pe gondin rano nto panji mure kel alala pa ma fam mare de nanga nchun jinga ga we fang sa nchun no aklon jinga njinga njinga apa se kira za na a dum mo te Bonsoir tout le monde, je ne vais pas trop crier. Bonsoir à tous ceux qui me suivent de partout dans le monde entier. Vous savez, en ce moment, il y a turbulence. Il y a turbulence dans la team PDGIS. J'ai fait ma sortie aujourd'hui pour faire cette vidéo où je vais dire des choses que certaines personnes n'auront pas envie d'entendre, qui va choquer certains, mais... J'assume ce que je vais dire ce soir. J'assume la totalité de mes mots, de mes paroles. So, this evening, I want to greet everybody where they see me for Facebook, for oversight. Today, thing where I want to talk, na for sika say. For inside with gouvernement, some people don't come, they don't do turbulence. This turbulence na something where they happen for all family. So for all family, problem day for all family. J'arrange les lolos droits. Tu ne sais pas qu'il y a toujours un lolo qui est plus que l'autre. Ne m'énerve pas, je ne vais même pas me déconcentrer. Donc ce soir, je vais dire une chose. Ceux qui font souvent les longs commentaires des prêtres là, ici on ne fait pas la publicité des églises. Des noms de doux publicité for church foyer, on ne fait pas la publicité des églises ici. Si quelqu'un veut faire la publicité des églises, les donneurs de leçons, allez créer vos églises ailleurs et cherchez vos fans pour faire vos églises. Ici ce n'est pas l'église. Non, je pourrais. Télé là, non, manga, petit signe, je vois. Pas à télé, hein. Pas payé ou jeune, non? Donc, je disais que. Donc, vous savez, dans toutes les familles, il y a... Arrêtez de rire, oh! Dans toutes les familles, il y a les turbulences. Il y a des moments de turbulence, il y a des moments de guerre. Même les enfants, même père, même mère, ils ne s'entendent pas. Il y a des moments où on ne s'entend pas. Ce soir, je vais commencer par dire que ce que les détracteurs... attendent aujourd'hui, ils n'auront pas ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent de la team PDGIS, ils n'auront pas, on ne leur donnera pas l'occasion. Du moins, moi, Fleur de Lys, je ne donnerai pas l'occasion à ces personnes qui sont en train d'attendre que la team se divise, que la team fasse la guerre. On peut ne pas être ensemble, mais il n'y aura pas de guerre. Non. Il n'y aura pas de guéguerre dans la team PDGIS. Ce soir, je suis venue parler ce soir. Je suis venue parler ce soir. Je suis suivie par près de 100 000 personnes, 100 000 abonnés qui me suivent. En une année, je vous donne d'abord les statistiques. Ouais, c'est devenu un bon au-dessus de Donc, je vous donne d'abord les statistiques. Qui peut écrire ça? Les statistiques de Fleur de Lys. Je suis suivie par près de 100 000 personnes sur mes pages. Sur Facebook, sur YouTube,
Je suis suivie en une année. J'ai eu 5 millions de vues, de visibilité, 5 millions de visibilité sur YouTube. Et la tranche d'âge qui me suit sur YouTube, c'est entre 25 et 36 ans. D'abord, ils sont de 40%. Écoutez-moi très bien. Vous avez de quoi noter, non? Je dis, la tranche d'âge, je suis suivie en une année que j'ai créé mon compte YouTube, qui est géré par mon communicateur, j'ai 5 millions de vues. Je dis bien 5 millions de vues. Et sur ces 5 millions de vues, j'ai les statistiques. Merci. Donc, je suis suivie de 36% par les jeunes de 24 à 26 ans. C'est 36%. Et de le reste par les jeunes de 36 à 50 ans et plus. Les personnes qui me suivent sur YouTube, 36% en France, 9% en Allemagne, 10% en Belgique, 19% au Cameroun et le reste dans le monde. Je me fais comprendre ou bien vous voulez le stylo pour noter. Vous avez compris? Ce que je vais vous faire comprendre ce soir, c'est que je veux que vous ouvrez attentivement les oreilles. Je vais baisser le volume. Vous savez, moi, Flore, pour des personnes qui me connaissent, je suis une fille vraie. Je ne triche pas. Je ne suis pas hypocrite. Je suis des fois... comment on dit, quelqu'un qui s'énerve souvent vite et s'arrête encore, comment on dit, parfois ça peut arriver, vous allez m'excuser ce soir, parfois ça peut arriver que je m'énerve vite, mais je ne suis pas rancunière. Je suis d'abord quelqu'un qui n'est pas rancunière. Je suis quelqu'un qui protège les siens. C'est-à-dire les personnes que vous avez vues sur les réseaux sociaux, qui ont été mes amis, tout le monde a vu. Au départ, je lis bien les commentaires de FP. Jao, telle a fait que je ne gère jamais ça. Parce que je protège ceux qui me sont, ceux que je connais, ceux avec qui j'ai marché, ceux que je connais, je protège. Ce soir, je tenais à dire une chose, à dire ceci. Je dis bien que notez, parce qu'il n'y aura pas une deuxième vidéo comme celle que je dis ce soir. Je parle particulièrement aux abonnés, aux abeilles et aux personnes qui me suivent. C'est-à-dire que aux FP et aux VP, c'est-à-dire que VP, vrai profil, FP, faux profil. Quand j'ai donné un peu les statistiques, comment on me suit, c'est pour dire que ma parole compte. Ma parole compte et j'ai de l'influence. Une influenceuse, c'est quelqu'un que quand tu es pâle, c'est-à-dire que sur 100%, sur 100 personnes, 30% peuvent écouter ce qu'elle a dit, c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas mal. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas égoïste. Je suis protecteur. Je suis très protecteur. Je voulais dire ce soir, impulsif, merci, ma fouette, fils. Merci, je suis des fois impulsif, mais je ne suis pas rancunière. Je suis quelqu'un qui oublie vite. Quelqu'un peut m'insulter aujourd'hui, demain la personne me dit bonjour, je réponds, tu sais, parce que je me dis la vie c'est rien. C'est pas la peine de... On meurt trop vite. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ce soir, j'avais envie de dire une chose. Ça fait longtemps que ça dure. Et il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. Toi qui dis chip là, je te bloque. Lord Diane. Parce que les chip là, ça, ce soir là, quelqu'un dit que j'étais bloqué. Je ne sais pas débloquer. Les chuip là, je ne vais pas lire les commentaires. Quand tu dis chuip, ça veut dire que tu m'insultes. Et je ne vais pas te permettre ça. Tu as compris, non? Donc, comme je voulais d'abord dire ce soir, c'est que je remercie toutes ces personnes-là qui sont venues sur Facebook me suivre en vrai profil.
Je remercie également toutes ces personnes qui sont venues me suivre en faux profil. Un faux profil, c'est un anonyme. Un faux profil, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de dévoiler son identité. Mais pas parce que la personne... Un faux profil, ça peut être tout le monde. Ça peut être ton mari, ça peut être ta cousine, ça peut être ta belle-sœur qui ne t'aime pas. Un faux profil peut être ta belle-sœur qui ne t'aime pas. Comme tu vis avec son frère, il a envie de se... Elle ou il a envie de se venger. Il crée un faux profil. Il te raconte ce qu'il a envie de te dire. C'est ça un faux profil. Un faux profil, c'est quelqu'un qui a te dit, mais qui ne peut pas assumer ses dits. C'est pour ça que la personne se cache. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, un faux profil peut être ta soeur avec qui tu ne parles plus. Ton cousin qui te jalouse. Ta tante que tu es partie en Europe, elle est toujours en train de vendre l'eau glacée. Ta soeur avec qui tu as bossé, tu es arrivé, tu as trouvé un mari, elle n'a pas encore. Ta meilleure amie avec qui tu marches, et la personne voit que quand vous sortez ensemble, elle est peut-être plus belle que toi, mais c'est toi qu'on drague. Elle devient ton FP. Elle dirait directement ton poison. C'est pour ça qu'on dit que la personne qui te tue ne sort jamais de loin. Hein. Quelqu'un qui te tue ne sort pas de loin. L'expérience a montré que sur Facebook, il y a des personnes qui viennent vociférer des choses parce que quelqu'un qui est proche à toi vient créer un faux profil pour parler de toi. Oui, on ne peut pas savoir qui est un FP, qui est un faux profil. Je respecte tous ceux qui me suivent en FP parce que c'est leur choix. Vous avez choisi d'être FP. Mais je voulais dire que je respecte encore grandement toutes ces personnes qui sont venues sur Facebook me défendre et me suivre avec leur vrai profil. Parce que mettre son visage pour soutenir quelqu'un pendant les moments difficiles, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup respecter. Oui. Quelqu'un qui vient mettre son visage, qui assume que je suis avec. Bien sûr que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent en vrai profil, comment, mais ils ont encore peut-être 5 faux profils. Je voudrais dire ce soir, j'aimerais que les FP qui me suivent, vous deviez respecter les vrais profils. Et vous devez respecter les personnes qui m'entourent. Depuis, j'avais dit que je ne parlerai pas. Au départ, j'ai dit que non, je ne vais pas parler. Mais j'ai trouvé que elles ou ils sont allés très loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens parler. Parce qu'à un moment donné, on en a ras-le-bol. On en a marre. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois supporter son entourage. C'est-à-dire que si tu aimes Flore de Lille, que je suis, tu dois accepter ceux qui sont avec moi. On ne se lève pas, mais on déteste quelqu'un pour rien. Je n'appartiens pas à une personne. J'appartiens à 100 000 personnes qui me suivent. Que ce soit les détracteurs ou les personnes qui m'aiment. Je les appartiens. Je n'appartiens pas à une personne. Je ne peux pas permettre, parce que j'ai beaucoup laissé, j'ai trop pardonné, j'ai beaucoup patienté, j'ai beaucoup averti. Là, il est arrivé un moment où on doit dire stop. Dans un gouvernement, il n'y a pas le gouvernement en dessous du gouvernement. On ne peut pas créer une team dans la team PDGIS. Je dis, on ne peut pas créer une team dans la team PDGIS. Et je l'ai dit il y a longtemps. Je reviens avec cette histoire de bande de ces filles qui disent qu'ils sont les Mboma. Vous savez que j'ai refusé ces noms, ce nom, les Mboma. J'ai dit non, vous ne pouvez pas aller créer un nom genre les Mboma. Il n'y a pas de team dans la team. Je n'ai jamais voulu me retarder. Tu as dit que perdre mon temps sur ça. Mais à un moment donné, il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. C'est-à-dire ce soir, je viens vous parler avec la douleur dans mon cœur depuis la semaine dernière. Mais j'ai patienté. Mais hier, quand je me suis levée le matin, j'ai regardé, j'ai vu
des choses, j'ai dit non, c'est trop. Je n'ai jamais fait autant de postes que hier. C'est la première fois. Je vais parler d'une personne d'abord pour commencer. Je vais commencer par le commencement. Et que ce soir, il faudrait que ça s'arrête. Parce que vous les FP, vous certains FP, vous m'attirez beaucoup d'ennuis. Quand on aime sa star, on protège sa star. On n'attire pas les ennuis à sa star. On est bien d'accord là-dessus. J'ai envie de vous dire, Tata Doudou, elle est partie de la team PDGIS. Collez-lui la paix. Collez-lui la paix, respectez. Collez-lui la paix, elle ne vous a pas prononcé. Laissez cette femme tranquille. Je vous ai dit, ce n'est pas une secte la team PDGIS. Quand vous n'avez rien à faire, allez chercher le travail, vous travaillez. Vous ne pouvez pas vous permettre. Elle est partie de la team. Oui, je ne peux pas me lever, je commence à clasher Tata Doudou. Par rapport à quoi on se respecte? Au-delà de Facebook, on se respecte. On s'est rencontrés plusieurs fois. On a mangé ensemble. On a fait des soirées, on a dansé ensemble. Qu'est-ce qui nous a séparés? Si je rencontre Tata Doudou, on va se dire bonjour. C'est toujours cette histoire de Facebook. Des FP. Oui, elle a eu son comportement. Elle est allée au Canada. Elle a eu des ennuis avec la PDG canadienne. Ça s'est arrêté. Elle s'est retirée. Point. Elle continue son chemin. Pourquoi vous êtes tout le temps sur elle? Pourquoi vous êtes tout le temps sur elle? Vous êtes resté sur elle, resté sur elle, resté sur elle. Et il y a un groupe de filles. Ils ont commencé. Quand Mana clashait, elle racontait son histoire avec le bon, tout ça. Certaines bandes se sont mises à vouloir juger le bon. Vous jugez un père de famille, un intellectuel, par rapport à quoi? Certains ont, je ne vais pas prononcer les noms parce que ça serait fabriqué. Je vous assure, hein, je dis du fond du cœur. Ils ont commencé à prononcer le bon. Oh, il a abandonné ses enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes FP que vous allez vous permettre de dire du n'importe quoi aux gens. Vous occupez trop de vos enfants. Vous occupez trop de vos familles. Vous jugez quelqu'un par rapport à quoi. Vous connaissez que c'était comment leur relation. Je commence par le commencement depuis que ça a commencé. Certains sont allés en face. Certains jouent les choses comme ça. Non, vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous n'êtes pas obligé. Si ça ne va plus avec Flor Delis, vous partez ailleurs sans taper le Dicalo. J'ai toujours dit ça. Que ne tapez pas le Dicalo. Vous tapez le Dicalo pourquoi? Vous commentez, vous mettez les longs commentaires parce que vous avez envie de vous faire voir. C'est la team PDG qui vous a fabriqué. Hein? Même si vous partez n'importe. Écoute bien, Ariane Nias, je ne m'énerve pas. Je te dis, hein, ce soir, je te dis, ne m'énerve pas. Tu me laisses parler, je te respecte, je ne te connais pas, mais tu dois me respecter. D'accord? Tu ne peux pas appeler un être humain boulet d'or parce que tu n'es pas Dieu. Arrêtez vos histoires de commérage. De on a dit qu'on a dit que. Moi, j'arrive, je suis en train de m'exprimer. J'ai pas envie de perdre. Vous savez quoi? Vous allez m'excuser. Hein? Je ne vais plus lire les commentaires. Parce que ça va vraiment me faire perdre mon élan. Moi, je n'écris pas ce que j'ai à dire. Et je n'ai pas envie de perdre le fil de ce que je vais dire. Parce que ces personnes qui viennent commenter là, c'est pour créer, pour que j'oublie ce que j'ai à dire. On ne peut pas confondre le virtuel de la réalité. Une personne comme Tata Doudou, elle connaît le chez moi. Elle est venue me livrer le Misunga plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'elle n'est plus dans la team PDG que si on se voit, on ne va pas se saluer. Elle vous a dit que j'ai un problème avec elle. Quelqu'un peut décider de ne plus faire partie d'un groupe. Elle peut dire, je ne fais plus partie du groupe. Mais si je croise la reine mère, je la salue. Arrêtez de confondre Facebook à la réalité. Elle a décidé qu'elle ne fait plus partie. Point. Ça s'arrête. Hein? Vous êtes quitté sur ça. Vous avez commencé. Ce groupe-là que j'ai décidé de bloquer, donnez-moi les noms de toutes personnes qui suivent Flora White. Toute personne qui l'encourage. Je vous jure sur ma chaussure que. Je vous jure sur mon talon que. Hein, cette fille, c'est une personne que j'aimais beaucoup, mais elle m'a déçue d'une déception que hein, vous ne pouvez pas imaginer. Hier matin, j'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, dans la vie, pourquoi cette fille n'a pas de cœur? Je ne voulais pas prononcer son nom, mais j'ai prononcé. Pourquoi elle n'a pas de cœur? Flora White.
ou c'est Corinne Berthier, pourquoi tu n'as pas le cœur? Pourquoi tu n'as pas de cœur? Pourquoi tu es aussi mesquine? Pourquoi tu es aussi diabolique? Tu te lèves, tu te permets de prendre le mari de Nathalie Babalé. C'est ton égal. Laissons qu'on est dans la team, qu'on se mélange, c'est ton égal. Tu la connais, vous avez sorti le même homme ensemble. Tu t'acharnes sur cette femme, vous êtes votre bande. Tu t'acharnes, vous vous acharnez sur elle. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous avez commencé à vous charner sur elle. Vous acharnez sur elle. Ça fait un moment et il y en a ras-le-bol. Non, mais c'est trop. Vous ne pouvez pas vous acharner sur une personne qui ne vous a rien fait. Vous vous fréquentez, vous êtes des amis. Vous partez créer un groupe pour commencer à vous acharner sur elle. Hein? Qu'est-ce que Nathalie Babalé vous doit? Elle est venue me soutenir comme toute personne me soutient, à visage découvert. Et je vais vous dire comment je la connais. Vous savez, une fois, quelqu'un est venu, toujours les gens du Canada, là, quelqu'un est venu comme me dit, inbox, que oui, il y a une femme qui m'insulte, tout va. Elle m'a donné son mur Facebook. Que je veux que tu clashes cette femme-là. Quand je tape, à l'époque, elle dansait sa danse, là, le soir, elle faisait le sport. C'est comme ça que je l'ai connue. J'arrive, je vois une femme qui est seulement en train de danser. Je ne vois rien de mal. Et je commande, je dis bonsoir. Elle me dit, oh maman, faut et tout et tout. C'est comme ça que... Elle me dit, un jour, je vais t'inviter et tout. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Tu peux m'inviter, je suis prêt, je vais venir. C'est comme ça que ça s'est passé avec elle. C'est comme ça que Nathalie Babalé, c'est comme ça que ma vœu galactique, c'est comme ça qu'elle m'a connue. Et quand je suis allée commenter, parce que certaines personnes envoient souvent les gens faire du mal, mais quand tu arrives, tu trouves que mais la personne n'est pas comme ils étaient en train de dire. C'est comme ça que je suis entrée. C'est comme ça qu'elle m'a invitée la première fois. Et quand elle m'a invitée la première fois, ils étaient deux. José, la PDG canadienne, et elle. Je ne savais pas trop qui m'avait invitée. Parce que j'ai reçu encore une deuxième invitation. Je pensais que c'est la même personne. C'était une soirée aux mêmes dates. Et comme il y a toujours certaines personnes qui veulent faire du mal aux gens, ce n'est pas José qui avait commencé les problèmes. Hein? Non. Ce sont ces gens avec qui elle marchait là. Une a parlé du poison. Je ne sais pas si certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux retiennent souvent ce que je dis. Au moment où José m'invite, au moment où la PDG canadienne m'invite, Nathalie Babalé m'invite, José m'invite aussi au même moment, la même date. Je ne connais pas trop. Quand je communique avec la personne de José, qu'elle envoie son ami me parler sur WhatsApp, après je me rends compte, quand je fais un direct pour confirmer ma confirmation, ma venue au Canada la première fois, c'est comme ça que la PDG canadienne, la Nathalie Babalé m'appelle et me dit « Ah !» Tu as accepté finalement, c'est bien, vraiment, je suis contente que tu vas venir me voir. Je dis, mais attends. Et puis, elle a commencé à causer avec moi. Je lui dis, mais attends, j'ai parlé avec toi hier. Pourquoi tu reviens encore me parler aujourd'hui? C'est où je me rends compte que c'est deux personnes différentes. Et la PDG canadienne était en problème avec José. Et la PDG canadienne m'a dit en ce moment, elle était au Cameroun avec sa préférée. Elle m'a dit, c'est moi qui t'ai invité. Ce n'est pas l'autre qui t'a invité. Parce que j'étais entre deux. Je ne savais pas chez qui partir. Mais la PDG canadienne m'a dit, mais attends, je t'ai invité la première. Je t'ai invité la première. Si tu n'acceptes pas, on gâte tout. Parce que c'est moi qui t'ai invité. Ce n'est pas les autres qui t'ont invité. Ils étaient en guerre. Ils se faisaient le défi. Et c'est comme ça que je devais même arriver au Canada. Je devais toujours voir la PDG José. Parce que c'est quelqu'un qui me suit aussi. Mais seulement quand j'ai entendu les histoires de poison de Mana, elle commentait avant chez l'autre pédale là. Comment ils vont organiser ceci contre moi? C'est où les problèmes ont commencé avec José? Je ne la connaissais même pas. José aussi est sorti, commençait à me clasher. Ce n'est pas que j'avais eu un problème avec quelqu'un que je la connais. Non! La majorité des personnes qui me clashent sur Facebook ne me connaissent pas. Je pense que vous vous rappelez. Je vous dis seulement comment je connaissais. Je connais la PDG canadienne, Nathalie Babalé. Et c'est une personne qui me soutient d'un amour vrai. Comme vous, vous me soutenez d'un amour vrai. Je n'ai jamais douté de votre amour envers moi. Je n'ai jamais douté de votre... Je n'ai jamais douté de votre amour.
les FP qui me suivent. Mais arrêtez le règlement de compte. Ce n'est pas sur mon mur. Vous n'allez pas venir faire semblant de soutenir Fleur de Lys afin de régler vos comptes. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'admettre. Même mes amis avec qui je... Nathalie Babalé n'est pas mon amie, c'est une grande sœur. C'est une grande sœur qui me respecte, on se respecte. Quand elle me reçoit, elle me met toujours en haut. Quand on a à se dire, on s'appelle, on se dit. Mais hier, j'en ai eu ras-le-bol. Les gens ont mal interprété ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire, c'est que je commentais en disant, la PDG canadienne ne doit même pas se clasher avec les faux profils. Ce n'était pas moi, c'était pour dire qu'elle doit minimiser les FP. Parce qu'il y a d'autres FP qui la soutiennent. Quand vous voyez une personne comme Guillaume qui vient sur Facebook, qui commence à clasher les personnes avec qui il était, les filles avec qui il était avant, c'est parce qu'il en a eu mal de voir cette femme aussi accumulée. Je ne suis pas fière qu'elle se lève pour répondre au FP. Parce qu'on ne fait pas la guerre avec des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, personnellement, si quelqu'un me fait quelque chose, un FP, même s'il me soutient jusqu'à... Il vient écrire un truc, mais je bloque et puis basta. Même si c'est mon frère ou ma soeur, il n'y a pas de problème. Je bloque. Mais je me suis dit, la PDG canadienne, de son rang social, elle ne peut pas se mettre en spectacle avec des vieilles chouettes qu'elle ne connaît pas. Des vieilles chouettes sur la base de on a dit que c'est elle. Parce que même entre les FP, c'est des criminels. C'est des criminels. Il suffit de prendre la photo de quelqu'un, de mettre sur Facebook et les gens vont t'appeler pour te donner des informations. Vous comprenez? Ce qui m'a choqué quand j'ai vu Flora White, elle écrit soi-disant qu'elle est en train de défendre Gaston Machipon. Pourquoi Gaston Machipon? Est-ce qu'elle t'a envoyé? Ou bien il t'a envoyé? Est-ce que vous vous rendez compte que même si moi, Fleur de Lys, un FP, c'est quelqu'un qui doit rester dans l'anonymat. Aurélie et Ma? Ah, ok, Ma. Un FP, c'est quelqu'un qui doit rester dans l'anonymat. Voilà Claude Akam. Je laisse les voices à Claude Akam. Je parle avec Claude Akam, mais je ne sais pas qui il est. Je dis bien que je parle avec Claude Akam. J'ai déjà parlé avec Magina Purity. Mais je ne sais pas qui il est. Jamais... On s'est même déjà donné rendez-vous, mais on ne s'est pas vu. J'ai déjà parlé avec Poupi. J'ai déjà parlé avec beaucoup de FP, mais je ne les connais pas. Un jour, parce que moi j'appelle toujours un FP. Un FP, à la place d'un FP, quand j'appelle un FP, c'est parce que je vois des choses qui ne vont pas. Mais à un moment donné, on en a ras-le-bol. Parce que quand elle s'asseye pour répondre au FP, parce qu'elle en a marre, ça fait combien de temps qu'elle accumule? Elle a son karaté, ça fait combien de temps qu'elle accumule? Qu'elle attend, elle accumule. À un moment donné, il y en a ras-le-bol. À un moment donné, il y en a ras-le-bol. Elle s'est défoulée. C'est quelle haine? Pourquoi vous la détestez? Par rapport à quoi? On a pris la photo d'une personne qu'on a postée. Une amie que je connais très bien. Voici le long message qu'elle m'a envoyé. Ce n'est pas elle qui est poupie. Je vous jure devant Dieu. Alan Phil, c'est une personne qui me soutient, qui est toujours dans tous les événements. Elle n'est pas poupie. J'ai déjà parlé à poupie. À quel moment j'ai parlé à Poupi? Quand je dis parler, appeler inbox. À un moment, elle s'acharnait chez Magina Purity. Tout ce que je fais, je n'ai pas besoin de venir pour parler. J'ai appelé inbox pour dire que laisse Magina Purity tranquille. Pourquoi tu t'acharnes sur elle? Colle-lui la paix. Elle t'a fait quoi? C'est la première fois que je parle avec Poupi. Inbox, à l'appel, pas écrit. J'ai dit à Poupi, arrête de t'acharner sur Magina Purity. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de venir parler ça ici. Je règle ça en interne. Hein? J'ai appelé Poupi la première fois. J'ai parlé avec Poupi une seule fois. Ce jour, j'ai parlé avec Magina Purity. J'ai parlé avec bébé Mozart. Ils avaient un problème là. J'ai parlé avec chacun. Le jour, les messieurs assis dans ma chambre. J'ai appelé chacun d'eux. Est-ce que vous savez comment ça fait mal? Quand on prend la photo de quelqu'un qui n'a rien à voir dans un truc, on poste sur les réseaux sociaux, on commence à l'insulter.
Je vous jure devant Dieu, sur mon père qui est dans la tombe. Ma mère est couchée là. Cette fille que vous avez dit que... Je prends que le cas de Alan Phil. Elle n'est jamais poupie. Parce qu'un jour, on m'avait bloqué sur Facebook. Je suis venue faire un direct pour dire, ouais, est-ce qu'un faux, quelqu'un peut me donner son faux profil pour que je puisse faire un live? Cette fille m'a envoyé son faux profil. J'avais fait le live là-bas. Voici ça. Elle m'avait envoyé son faux profil. Les gens se permettent de... Elle m'avait envoyé son FP. Elle m'avait envoyé le FP, son FP. Et son FP, elle n'insulte pas les gens. Un jar avec. Elle m'avait envoyé son FP. Voici encore ça. Son FP qu'elle m'avait envoyé. Avec le mot de passe pour me dire qu'il y avait deux personnes. Il y avait une autre personne qu'on appelait... c'est Alice Thompson. Un truc comme ça. Et elle, elle m'a dit qu'elle a un FP. Elle m'a donné son FP. Oui, cette fille d'Alan Phil. On ne fait pas du mal aux gens comme ça. Parce que c'est à moi que vous causez les problèmes. Quelqu'un qui vient vous faire le commérage en disant tel c'est tel faux profil, la personne n'a pas de preuve. La personne n'a pas de preuve en disant ça. À l'époque, elle m'avait envoyé son FP. Son FP pour me dire... Elle m'avait envoyé son FP pour que je me connecte dedans. Elle est venue en vrai profil sur Facebook. Elle a un vrai profil. Elle me soutient en vrai profil. Ça, c'est le long message. Elle m'a envoyé les messages depuis l'autre jour. Elle m'envoie les messages. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne peux pas vous mentir. Je ne suis jamais venue parler ce genre de choses. Mais depuis que vous avez publié ces filles, je ne dors pas. Maman Anne, elle est passée. Elle m'envoie les messages. Oui, tu laisses qu'on me publie, va dire mon FP. Je lui dis que mais je ne peux pas dire ton FP. Parce que ton FP, quand on a un faux profil, je ne peux pas venir déballer ton FP. Comment je vais venir dire ton FP? Elle dit non, ce n'est pas moi Poupie. Tu connais mon FP. Je me suis dit, je lui ai dit que écoute. Je lui ai dit, écoute, je ne peux pas aller déballer ton FP. Guy et ma, je vais t'appeler. J'aimerais que tu me dises qui est venu te raconter que cette fille, c'est le FP de Poupie. Cette personne qui t'a raconté ça, ne veut pas mieux, tu ne dis rien. C'est le pur mensonge. C'est le pur mensonge. Ça, c'est tous les messages qu'elle m'envoie. Parce que quand quelqu'un est FP, la personne s'en fout. Hein? C'est triste. Elle me dit, regarde comment on balade mes photos. Flo, chaque fois qu'il y a quelque chose chez moi, je l'appelle. Je lui dis, viens. Ce sont des personnes que quand il y a un truc, je dis non, soyez là, elles sont là. Elle m'a envoyé des messages, elle dit que regarde comment on balade mes photos. Est-ce que c'est moi parce qu'on m'a vu au bateau? Pourquoi on dit que c'est moi? Voilà, Alan Phil, elle commente à son vrai profil. Didi l'a même déjà vu. Je ne peux pas me permettre de venir devant les gens commencer à déballer que tel, c'est, tel FP. Parce qu'un faux profil, c'est quelqu'un qui se protège. Je ne peux pas venir dire... Imaginez les vendeuses, les coiffeuses, comme LVS Cosmétiques. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, je vois un FP qui commence à s'acharner sur Yvonne Gomati. J'appelle la personne inbox. Je dis à la personne inbox, pourquoi tu t'acharnes contre elle? Pendant que je parle avec la personne, je reconnais la voix. Je reconnais la voix de cette personne. Je commence à rire, je dis que je te connais. Je commence à dire que je te connais. Elle dit que tu me connais. Comment elle dit que je te connais? C'est toi telle personne. C'est une personne qui passe coiffée chez LVS Cosmétiques tout le temps. La personne passe coiffée là-bas tout le temps, qui fait sa recette tout le temps. Mais quand il y avait les premiers insultes, c'est la personne. Quand j'ai su ça, je n'ai jamais dit à Yvette. Je ne suis pas venue lui dire que telle de tes clientes, c'est ta soeur Bassa et c'est elle qui vient t'insulter. Non! Je ne peux pas faire ça. Hein? Je ne peux pas faire ça. Ce FP en train de commenter là maintenant, je vois bien le FP là. Je lui ai seulement dit que non, s'il te plaît, il faut que ça reste entre nous. Pardon, je ne veux plus jamais que tu t'attaques à elle. C'est toi qui vas souvent te coiffer, tu fais ceci chez elle. Et tout. Guillaume, tu dis encore un mot, je te bloque. Là, je ne rigole pas. On est bien d'accord.
Je dis bien que tu dis encore un mot, je te bloque. Ok? Donc, quand tu vois des personnes qui te soutiennent, j'ai vu des personnes, ces bandes de filles qui me soutiennent. Moi, je prends le cas de Flora White parce qu'elle est très violente. J'avais parlé à Laline Dombé. J'ai appelé Laline Dombé pour lui dire que Laline, dis-moi telle chose. J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit oui, machin. Je lui ai dit que non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu te permets. Elle m'a dit, j'ai compris. Je n'ai plus jamais vu Laline Dombé venir écrire n'importe comment. Fleur Adama. J'ai vu Fleur Adama s'acharner sur une personne. Je l'ai appelé inbox. Je lui ai dit que Fleur Adama, c'est moi. Je vais te parler. Pourquoi tu te... Et quand tu... Vous savez, au Cameroun, quand tu parles à telle ou telle personne de telle tribu, tu sais qui est. Qui est cette personne. Quand j'appelle Fleur Adama, je parle avec Fleur Adama. Je lui ai dit que tu es bêtis, non? Oui, machin, tout ça. Je lui ai dit que mais arrête de t'acharner sur telle. Pourquoi tu t'acharnes sur telle personne? Arrête! J'ai dit que Fleur Adama, arrête. Il y a beaucoup, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que j'appelle pour dire arrête tes choses. Vous pensez que diriger, je ne dis pas que je dirige. La honte de ça, c'est qui la honte de ça? Minal, mais tu parles de moi que la honte de ça. Je te bloque. La honte de ça ne sera pas moi, ma chérie. Je vous ai dit que ce soir, je suis très vénère. Je suis très énervée. Je suis pas... Non, j'étais bloquée. Minalmi, si tu veux, tu vas m'insulter. Ce soir, je suis très énervée. Même si c'est Yuri Gagami qui parle, moi, j'ai dit à Guy, ma dernier avertissement. Je ne rigole pas. Vous avez compris? La première fois que cette fille... Parce que vous venez ici vous faire fabriquer. Quand vous... On vous donne déjà le nom. Et c'est moi qui fabrique parce que c'est moi qui appelle vos noms matin, midi, soir. Vous prenez la côte comme ça, vous partez faire du n'importe quoi. Vous partez, vous commencez à insulter les gens n'importe comment. Hein? Vous partez, vous commencez à insulter les gens n'importe comment. Non, moi je bloque, je ne sais pas débloquer. Je n'ai pas d'ordinateur. Pour débloquer sur une page officielle, il faut avoir un ordinateur. Je n'ai pas d'ordinateur. Je ne peux pas aller m'asseoir au cyber parce qu'il faut que je débloque. Non, je n'ai pas moi le temps. Je suis désolée, la personne qui fait l'erreur ce soir, je bloque. Et j'attends que vous venez me clasher. Je n'ai jamais fait le clash avec vous. Parce que je ne peux pas faire le clash aux gens que je ne connais pas. Point. Je vous dis ça. Donc, j'étais en train de dire ceci. Les personnes, souvent, qui t'insultent sont des personnes qui ne sont pas loin de toi. Je ne sais pas. Il suffit de prendre la photo de quelqu'un. Il y a quelque chose qui m'a choqué. On prend deux personnes, on dit que voilà Gaston Machipon. Voilà, Poupie. Pourquoi vous ne cherchez pas la photo de Corinne Berthier pour publier, en fait? C'est un exemple, hein? Vous savez, perdre un enfant, c'est quelque chose de dur. J'ai bloqué, j'ai bloqué une personne parce que elle a dit une chose sur le numéro de Nathalie Babalé. Loulou Soleil, je crois que c'est elle. Elle a dit, je peux publier la photo du cadavre de ton enfant. C'est quelque chose qui m'a pincé le cœur. C'est quelque chose de très dur. Même si c'était elle, le FP, qui a perdu son enfant. Et que vous n'avez d'ailleurs aucune preuve. Vous allez vous lever. Loulou Soleil qui devait publier le corps de ton enfant qui est décédé. Vous savez, une fois, je me suis levée ici. Un soir dans la nuit, quand je parlais à compresseur, la nuit là, je vous ai dit que j'ai une amie qui a perdu son enfant. C'est moi, Flore Delis, j'ai dit ça. Ceux qui ont suivi mon direct jusqu'à peut-être 3 heures du matin, je m'étais assise, je buvais. Je disais que sort d'un deuil. J'ai une amie qui a perdu son enfant. Vous avez peut-être fait le rapprochement. Prendre quelqu'un, c'est pas Loulou Soleil, c'est qui? C'est Dada Soleil, oui, c'est Dada Soleil, non, qui est déjà debout en camp d'en face. On ne peut pas jouer, on ne peut pas, vous savez, effectivement, j'ai une amie qui a perdu son enfant, un enfant de 1 an. On ne peut pas rire de la mort de quelqu'un. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait mal. Ça va trop loin, vous ne pouvez pas. Prendre ou partez commenter sur le mur. C'est Dada Soleil, Jessie, oui. Pour dire, tu as perdu ton enfant. Est-ce qu'on rit de la mort
de quelqu'un. C'est pas Loulou Soleil, je suis désolée Loulou Soleil, c'est pas toi. Est-ce qu'on peut se lever et dire à quelqu'un, tu viens de perdre ton enfant? Et vous prenez la photo de cette personne qui a perdu son enfant. Et vous faites croire aux gens que c'est la personne qui est Gaston Machipon. Vous avez quelle preuve? Vous faites que le rapprochement. Vous faites que le rapprochement. Vous ne contrôlez pas ceux qui entrent et ceux qui sortent de chez moi. J'ai ma vie privée, je suis libre d'avoir mes amis. Pourquoi vous voulez chasser tout le monde autour de moi? Hein? Et vous pensez que c'est cette personne que vous prenez la photo, vous mettez sa photo en disant que c'est elle, Gaston Machipon. Le faux profil Gaston Machipon, là, elle continue à toujours commenter. Vous ne réfléchissez même pas, ça va trop loin. Non, excusez-moi pour Loulou Soleil, c'est Dada Soleil a dit, a fait un commentaire en disant, tu as perdu ton enfant. Et la fille qui en a mis sa photo, réellement, elle a perdu son enfant. Imaginez sa famille voit, elle-même voit sa photo, alors que ce n'est même pas elle le faux profil. Qui peut me dire qui est Claude Akam? Je sais où Claude Akam est. Claude Akam est en Suisse. Même si Claude Akam, le faux profil le plus recherché, vous pensez qu'elle peut dire qui est Claude Akam? Toi qui commentes là maintenant, si je sais qui tu es, est-ce que je dois dénoncer qui tu es? Ou bien s'il y a quelqu'un, on fait le Congo ça entre nous, je peux dire que telle personne c'est telle. Est-ce que c'est vrai que ce que la personne vient me dire c'est vrai? Jusqu'à jubiler de la mort d'un enfant. J'ai trouvé que c'était mesquine, c'est pas parce que ce sont mes amis. C'est un deuil où j'ai été. J'ai été à ce deuil. Et c'est très douloureux à cause de Facebook. On prend quelqu'un qui ne connaît rien. On vient mettre pour dire que c'est bien comme tu as perdu ton enfant. Je vais te bloquer, Ernest Peck. Va m'insulter avec ta bande. C'est douloureux de dire ça. On ne jubile pas. Même si c'était elle le faux profil là. Tu ne peux pas jubiler. J'ai bloqué Guéma. J'étais bloqué sur la team. Parce que tu veux que tu me donnes les mains. Toi, tu m'appelles souvent. Tu es aux États-Unis. Qui sait qui tu es? Qui sait qui tu es? Que les personnes qui t'envoient, qui te disent telle, telle information. Je vais te dire une chose. Demain, tu vas te retourner contre ces personnes. Je vais vous dire une histoire, une année de dot ici, sur les réseaux sociaux. On avait un faux profil qui était célèbre, qui est aujourd'hui au camp d'en face, qui était très célèbre. On a accusé la mère des jumelles en disant que c'était elle, ce faux profil. Alors que ce faux profil m'appelait en vidéo, une fille qui était au Cameroun, une étudiante, elle m'appelait en vidéo, je la voyais. Mais quand on a commencé à accuser, quand on a commencé à l'accuser que c'était elle, la mère des jumelles, j'ai bloqué Guillaume, j'attends qu'il commence à me clasher. Non, ça ne me dérange pas. À une époque, il y avait, comment on appelle, Blonde Alice, qui était ici à la team, qui était comme les Flora White. Elle était très active. Quand les gens ont commencé à la chercher, c'était une personne qui m'appelait souvent en vidéo, pas cachée. Je voyais qui c'était, mais je ne sais pas qui elle est. Je sais qu'elle est au Cameroun, mais je sais que c'est qui. On a commencé à accuser la mère des jumelles que c'est elle le faux profil là. Ce n'était pas elle. Ce faux profil est venu me voir pour me dire. Parce que les faux profils où vous vous confiez, c'est les mêmes faux profils qui viennent balancer. Ce même faux profil de Blonde Alice était venu me voir. Parce qu'à l'époque, la PDG canadienne l'appelait zombie. Elle lui faisait confiance. Mais tout ce qu'il parlait, la fille elle me transmettait ça. Tout ce qu'elle parlait avec la PDG canadienne, elle me renvoyait tout ça, les captures d'écran. Et je lui disais, s'il te plaît, il faut que ça reste entre nous. Et j'appelais la PDG canadienne, je lui disais que s'il te plaît, ne parle plus avec les FP. Ce sont des personnes qui se retournent à un niveau que tu ne peux pas connaître. Je lui ai dit ça, que ne fais plus confiance aux FP. Même si c'est ton bille, tu ne peux pas appeler FP ton bille. Ce que tu dis, FFP, on ne fait pas confiance à un FP. Parce que comme il avait toi aujourd'hui, demain il va se retourner contre toi. Ce FP est venu me dire des choses que je n'ai jamais même demandé à la PDG canadienne. J'ai seulement dit à la PDG canadienne que non,
ne parle plus à cette fille et ne lui dit plus jamais, ne lui fais plus de confidence. Parce que c'est la même qui va aller te balancer demain. J'ai parlé à ma vue galactique. J'ai dit non. Ne gère plus rien avec elle. Oh, elle m'avait raconté des choses comme quoi on lui avait envoyé l'argent, on lui avait envoyé les sacs à main, tout ça. Je n'ai pas, j'ai géré comme ça. Elle est partie, on a accusé. On a accusé la fille de la mère des jumelles là. Elle n'est pas venue ici dire que non, ce n'est pas ma fille. Elle n'a rien dit. Imaginez si elle commence à venir parler chaque fois que TFP, on accuse quelqu'un. Moi, je m'adresse ce soir à Alan Phil. Alan Phil, je sais que tu n'es pas le FP Poupi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'envoies des messages, tu m'appelles 100 fois par jour. Tu m'envoies un message aujourd'hui à 4 du matin, je n'ai pas dormi. Tu me dis, moi, je protège, que pourquoi je ne viens pas dire ton FP? Peut-être qu'on ne dénonce pas le FP. Tu as ton FP, tu m'avais donné pour faire le direct dedans. Mais je ne peux pas venir dire que non, ce n'est pas SCT. Je t'ai dit non, je ne veux même pas parler sur ça. J'ai dit ça. Liliane tant que non, elle n'a pas mis le... Tu sais qu'il y a les FPK. Hein? Quand il va être bien avec toi, il va venir dire que ma fausse, elle m'a dit, telle personne m'a dit ça. Il va ajouter sa part. Il va ajouter sa part pour te cogner les têtes. C'est pour dire que hein, personne ne peut me cogner les têtes avec personne. Bonsoir, ma sisto Jaguar. Bonsoir, bonsoir, maman. Bonsoir, la première dame. Je dis, personne ne peut me cogner les têtes. Regardez les vidéos qu'on invente, on dit que c'est Jaguar et moi. Si c'était une autre personne, c'est qu'elle va m'appeler. Elle m'a jamais appelé pour dire que j'ai vu une fausse vidéo porno qui tourne. On dit que Jaguar ne m'a rien demandé. Elle ne m'a rien demandé. J'ai rassuré Alan Fille. Je lui ai dit que maman, tu veux que je fasse quoi? Hein? Tu veux que je fasse quoi? Les gens tournent tes photos. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Ce n'est pas toi le FP. Je dois prendre ton FP. Je viens balancer que voilà ton FP. C'est ce que tu m'avais donné pour faire un direct. Non, mais ça m'a fait mal. Moi, je vais dire quelque chose ce soir. Toute cette personne qui encourage, je vais parler d'Equine. Je te vois trop commenter quand l'autre fait ses posts. Quand Flora White, c'est une fille que j'ai beaucoup aimée. Je suis entière avec les gens. Vous savez, ce n'est pas parce que je ne communique pas beaucoup que ça veut dire que je ne vous aime pas. Je vous aime tous de la même façon. Mais à un moment donné, c'est elle qui a foutu le bordel dans la team. Guillaume n'est pas petit dedans. Guillaume, tu n'es pas petit. Tu es venu ici clasher. Si Dieu éternel était une autre personne, vous êtes venu ici inventer les choses sur Dieu éternel. Guillaume, tu ne parles pas plus que qui? Hein? Vous êtes venu raconter si ce Dieu éternel racontait. C'est une autre personne, c'est qu'il ne me salue plus. Gaston Machipon, j'ai écrit à Gaston Machipon, je lui ai dit depuis. Et Gaston Machipon, vous avez remarqué, elle ne commentait plus. J'avais dit arrête. Gaston Machipon, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai déjà vu Didi. Vous prenez, quand vous vous rencontrez, ou bien vous vous êtes rencontré au bateau, vous vous êtes rencontré que c'est moi telle fois. Quand vous parlez, j'étais témoin. Quelqu'un peut dire que, excuse-moi, si tu viens supporter Flore de Lille, que tu es son ami, est-ce que tu vas lui dire ton faux profil? Mais ça n'a pas de sens. Hein? C'est Corinne Berthier qui vient foutre la merde. Mais ce soir, tu es exclu de la team pédagogiste avec ta bande. Toi particulièrement, parce que j'étais beaucoup averti. Et les autres, une personne qui va faire un post encore sur Tata Doudou. Sur Tata Doudou. Sur Nathalie Babalé. Sur LVS Cosmétiques. Je bloque la personne. Je vous bloque. C'est tout ce qu'elle peut faire. Je ne peux pas dire que je vais vous taper parce que vous n'êtes pas mes enfants. Je bloque. Donc, Fleur Adama, arrête de faire les posts sur Tata Doudou.
Parce que quand vous faites, on dit que c'est Nathalie qui vous envoie. Nathalie Babalé ne vous a jamais envoyé rien faire. Vous la soutenez, oui, mais ne faites pas comme si c'est elle qui vous envoie. Ne faites pas comme... Voilà Yoel Gagami, je l'ai déjà rencontré aux États-Unis. Il nous a amené au Mexique. Il nous a amené au Mexique. Il nous a amené avec qui? Prezi Amout, moi. J'ai déjà rencontré encore un autre FP là. Donne un peu son nom, Yuri Gagami. Mais est-ce que je vais venir ici dire que je les connais? Est-ce que ça se dit? C'est Yuri Gagami qui a payé, on est parti au Mexique. Il nous a amené avec... Même devant Prezi Amout et Jaguar, je n'ai pas dit qui c'était. J'ai inventé un nom. Parce que je ne connaissais pas son vrai prénom. J'ai inventé un nom comme ça. J'ai commencé à l'appeler Steve. Avant qu'il n'arrive, j'ai dit que, écoute, je vais t'appeler Steve, tu peux me faire confiance. Parce que tu ne fais pas confiance à quelqu'un. Tu ne peux pas dévoiler ton identité. Étant un FP qui est beaucoup actif. Yuri Gagami était là, on était tous là. Personne n'a su qui il était. De temps en temps, des fois un jour, Bertini me dit, oui, tu sais que tous ces gens qui viennent ici, il n'y a pas les FP dedans. J'ai dit que non, je ne connais pas. Et Bois Colada, un faux profil que je connais, qui est maintenant chez la veuve, qui supporte maintenant la veuve, et Bois Colada. Ce sont les personnes que j'ai déjà rencontrées. Didi, j'ai déjà rencontré Didi. J'ai déjà rencontré Didi. Même Patricia, tu connais Didi, non? Que c'est un gars d'Ouala. Mais tu n'as jamais vu Patricia venir ici. Patricia m'a dit qu'il ne va pas venir trahir, que c'est elle. Didi commente là, voilà Ebois Colada. J'ai déjà rencontré Ebois Colada. On est partis ensemble au Mexique. Mais il était là, les autres personnes ne connaissaient qui est Yuri Gagami parmi. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait des faux profils. Mais qu'est-ce qui prouve que le faux profil qui te dit que c'est moi, c'est réellement la personne? Est-ce que tu as son portable pour voir? Parce que pour être sûr qu'un faux profil te dit quelque chose, il faut que la personne te montre quand il prend la connexion comme ça pour se connecter. Il te montre, tu vois son faux. Parce que dit de bouche. Dis de bouche, c'est des conneries. Dis que tel, c'est un faux profil. Est-ce que tu as pris, voici un téléphone que je prends, je me déconnecte. Attendez, je vais me déconnecter ici, je vais vous montrer. Parce que quelqu'un qui vient te raconter, tel, c'est un faux profil. Claude Akam, c'était, un jour, j'ai vu une maman au Canada, elle me dit que c'est elle, Claude Akam. J'ai rigolé jusqu'à, alors que j'ai déjà parlé avec Claude Akam. Regardez bien mon téléphone. J'ai le Facebook de qui ici, quand je me déconnecte? De Jean Macan et moi. Voilà ça, parce que je peux entrer dedans. Pour connaître un vrai profil, que tel est un profil, c'est comme ça la preuve. Ce n'est pas qu'on vient te raconter, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vois sur le téléphone de la personne, comment la personne se connecte avec son faux profil. C'est là où tu peux confirmer. On ne confirme pas l'identité. Qu'est-ce qui prouve que la personne, c'est Yuri Gagami? Pour être sûr, il m'a donné un peu de détails. Parce qu'il m'avait envoyé le téléphone par Pygmée de Yoko, à l'époque. Il m'a un peu raconté... Tu m'as rencontré aussi, non? Panthère, Flo Choupi Panthère, non, je ne sais pas. Hein. Je rencontre tellement, comme vous mentez aussi trop. Je disais que, hein, comme les gens aiment se vanter, vous savez qu'il y a un faux profil célèbre comme les Pygmées de Yoko. Quand quelqu'un va me voir sur Pygmées de Yoko, est-ce que tu as pris son portable? Parce que regardez, j'ai le Facebook de Dieu éternel. Et mon Facebook, c'est comme ça que tu peux confirmer l'identité de quelqu'un. On ne confirme pas l'identité de quelqu'un sur la base des ondits. Non, c'est vrai. Poupina Mafo, je n'étais pas bloqué. Tu es revenu encore. J'étais bloqué parce que j'ai dit que tout ça, c'est à cause de vous. J'étais bloqué sur le compte personnel alors. Parce que pour bloquer sur la team, il faut que la personne commente. Ndolé Ver Kaolo. Ah, peut-être, quand je vous rencontre, vous me dites. Donc, pour confirmer l'identité d'un faux profil, c'est quand la personne te montre. Parce qu'il y a des personnes, voilà Yuri qui m'appelle. Voilà, voilà ça. Pour confirmer un faux profil, voilà ça, non. Voilà Yuri qui m'appelle, non. Yuri m'appelle que quoi? Yuri m'appelle. Yuri, l'enfant des riches, maman. C'est pas l'enfant du pauvre, hein, maman. Yuri. Yuri m'a appelé. Je vais décrocher. Oui, je peux m'appeler un faux profil, je parle avec lui, je ne connais pas. Guillaume, je te parle souvent, il te connaît. Comme ça que je suis arrivé l'autre jour. Allô?
Allô? Parle, personne ne t'écoute. Quoi? Non, on te voit, on t'entend pas. Oui, alors? Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute, oui, alors? Hé? Hey. Non, tu n'es pas en direct. Oui, tu n'es pas en direct. L'autre jour quand j'étais à l'aéroport que j'attendais Angèle Kenney Production. C'est comme ça alors que Yuri commence à me tourner que je suis à tel endroit, tu ne me vois pas. C'était pour me faire patienter. Vous voyez que quand j'étais en train de patienter là, oui, je suis là. Jusqu'à ce qu'il y a les faux profils, il y a les vrais FP. Il y a la PDG canadienne qui me dit, mais Yuri à l'aéroport, non, il va te prendre, il est à l'aéroport. Il dit que quel aéroport, un faux profil, tu crois un faux profil, il est quel à l'aéroport. C'est juste pour qu'il me paye le temps, il voulait me prendre le Uber, tout ça là. Il dit que non, je te prends le Uber, machin, truc. Bref, donc c'est pour dire que un FP, tu peux avoir la confirmation que tel c'est tel FP. Quelqu'un peut utiliser le pseudo de quelqu'un d'autre, il dit que c'est lui le faux profil là. Tu m'as confirmé comment? Vous pensez que si je ne vais pas me coiffer chez LVS Cosmétiques, chez Yvain Gomati, sur un faux profil, je vais donner le nom d'un autre faux profil? Parce que si tu donnes ton nom de faux profil, ça veut dire que tu n'es plus faux profil. Si je ne vais pas me coiffer chez LVS Cosmétiques, je vais arriver là-bas, je vais dire que je suis pigmé de Yoko. C'est moi le faux profil pigmé de Yoko. C'est seulement dit, non? Qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Partez dormir, hein? J'ai dit que non, c'est moi le faux pygmée de Yoko. Je vous ai dit que j'ai attrapé une fille Bassa ici qui insultait souvent LVS. Je l'ai attrapée. Et elle et moi, je connais maintenant qui elle est. Tous les fêtes, je la vois, elle est à côté de LVS. Elle danse. Et c'est son amie, hein? C'est sa belle-sœur. C'est sa belle-sœur. Toi, tu m'appelles Ingrid, hein? Je te bloque. Tu crois que je ris avec toi? Imbécile. Si on t'a dit que fais le porno qui n'excite pas, chouane. Langue noise. Tu appelles qui Ingrid? La fleur quoi là? Tu appelles qui Ingrid? Donc ce soir, je voulais juste te dire que si vous ne vous sentez pas, arrêtez de faire les posts en quoi vous allez me cogner les têtes avec la PDG canadienne. Vous ne pouvez pas me cogner les têtes avec elle parce que vous ne connaissez pas la relation qu'on a. Si on a quelque chose, il y a eu l'incompréhension. Je vais lui dire de ne plus prendre le temps pour répondre au FP. C'est ce que je peux lui dire ce soir ouvertement que un FP vient te parler, quoi, tu bloques. Tu ne discutes rien avec personne, point. J'ai même vu les vrais profils qui se retournent contre moi. Quand tu n'as pas envie de regarder quelqu'un, tu bloques. Ouais, les vieilles chouettes. Donc, regardez, par exemple, je suis arrivée au Canada, la PDG José. C'était une histoire de PDG. La PDG José était à la soirée de la PDG canadienne de Marvel Galactique. Le 30, je suis au Canada. Attends, je bloque celui-ci qui dit que Ingrid, tourneuse de films porno. N'est-ce pas, je te bloque, non? Est-ce qu'elle va discuter quoi avec toi? Donc, une histoire de PDG, le 30. Le 30 mars, la reine-mère sera au Canada, à Montréal, à la soirée organisée par la PDG des bureaux au profit des femmes du Nozo et enfants du Nozo. Le code de c'est blanc, noir ou rouge. Wana don yami, non? Maman, le goitre de ça. On dirait que sur la sister, hein? Non, je l'ai éradiqué. Je dis, hein? Je dis donc, hein? Le 30, on dirait que Flo dit c'est la seule star de Facebook. La seule donneuse de work. Donc le 30. Le 30 mars, je suis au Canada, à Montréal. Les produits FDL seront exposés
Donc, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir les produits FDA, parce que Sunshine, la représentante exclusive des produits FDA, sera là. Et elle va vendre les produits. À quand la prochaine collection? Quand vous aurez... Tu es content aujourd'hui. Tu dis encore un mot, Nia Steve, et je te bloque. Je ne discute pas. Donc, la PDG José des bureaux, c'est qui fut manager de Pygmé de Yoko. Mon ex Pygmé de Yoko. Pygmé de Yoko, ce nom d'un faux profil. Hein. Ce n'est pas comme si je parlais de quelqu'un. C'est qui? Donc, l'ex-manager de Pygmé de Yoko m'invite. Et comme je suis bien élevée, bien éduquée, j'ai dit, je vais être accompagnée de la PDG canadienne. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est le respect. Bien sûr qu'elle était chez Marve, tu ne l'as pas vue. La PDG canadienne était là. Non, c'est le 30. Je vais profiter, Jaguar. Je vais profiter pour te dire quelque chose aujourd'hui en direct. Parce que je sais que cette fille me suit et tu la connais. Je ne veux pas dire son nom. Elle sort avec le mari de Truy. Elle a même pris la photo. Elle a agrandi, elle a collé sur le mur. Vous les filles qui sortez avec les maris des gens là-bas au Cameroun. Vous voyez quelqu'un en Europe. Vous ne savez pas. Tous les gars qui sont en Europe sont occupés. Ma chérie, la belle-sœur de Jaguar, enlève la photo de l'homme que tu as agrandi, que tu n'as jamais vu. Tu l'as vu que sur Facebook. Tu as agrandi la photo comme ça. Tu as collé sur le mur. Chez toi, le type est marié au Canada, j'ai vu. Sa femme même, c'est ma cousine. Il te ment. Et c'est cette fille qui l'a fait venir au Canada. Hein? C'est cette fille qui l'a fait venir au Canada, ma chérie. Je sais que tu me suis depuis. Le gars que tu as au Canada, que tu dis à ton fiancé là, c'est un gars officiellement marié. Enfin, c'est le vieux, il fait le vieux, on reste. Mais il habite chez la fille qu'il a fait venir au Canada. Enlève la photo que tu as agrandie. Et cette photo que tu as agrandie, c'est sa femme qui l'avait filmée le jour. Elle m'a montré que regarde la photo. C'est moi-même, j'ai filmé mon mari le jour-là. Il a envoyé à Langa qui drague au Cameroun. Langa a grandi comme ça, collé au mur. Elle présente à toute la famille que ce sont. Comment la fille a su? Comme les belles-sœurs sont toujours double visage. Les belles-sœurs, pitiation. Vous savez quoi, vous les belles-sœurs d'Afrique, là, sachez que... Hein, parfois, vous avez vos frères ici en Europe, ils souffrent. Hein. C'est les femmes qui s'occupent d'eux. Les doubles visages. Le gars a envoyé ses soeurs chez la fille là. C'est comme ça qu'étant là-bas, les filles là, ses soeurs, elles ont tapé. Vous venez de rencontrer, vous rencontrez une fille que votre frère vous envoie, ils ne se sont jamais vus. C'est Facebook. Mamie, tu as grandi derrière la photo de mari de Truy. Tu as grandi la photo, tu colles. Je vais t'appeler, je vais te dire, genre. Une de tes belles-sœurs, elle a grandi une grosse photo, elle a posé sur le mur chez elle. C'est comme ça que sa belle-sœur, comme elle, les belles-sœurs aiment manger double côté là. Celle qui au Canada les envoie. Celle qui au Cameroun n'a encore rien, mais ils vont squatter là-bas parce qu'ils sont déjà en train de rêver qu'ils auront quelque chose. Les belles-sœurs africaines, vous n'avez pas honte. Si on met votre sœur dehors, votre frère dehors en Europe, il va partir où? Avec le froid-ci. Pourquoi vous cherchez les problèmes comme ça? Vous les belles-sœurs du pays là. Pourquoi vous cherchez? Si on met votre frère en... Qui va encore vous aider? Si on le met dehors, il va aller où? Apprenez souvent à protéger vos frères. Arrêtez le fait que dès que votre frère vous présente une fille, vous courez habiter là-bas, vous partez taper les une semaine. Comme les photos, elles ont fait la photo là-bas. Comme elles parlent toujours avec la vraie femme officielle du Canada, c'est comme ça qu'elles sont allées là-bas, elles ont fait la photo, elles ont menti qu'elles étaient chez, ou bien chez une amie. C'est comme ça que la vraie femme voit donc la photo de son mari au mur. C'est comme ça que la femme officielle a vu la photo de son gars au mur chez la fille. La belle, les belles-sœurs, elles ne savaient pas. Hein? Les belles-sœurs vampires, elles ne savaient pas que la photo... Elle a filmé. Nous sommes dans l'enjoyment. Elle a posté sur Facebook. Quand
Sa belle-sœur du Canada a vu la photo. Elle a grandi comme ça. C'est comme ça qu'elle voit une grosse photo de son mari collée au mur. Eh, pitiation. Le monsieur a dit à sa femme que, toi la fille du Cameroun, qu'il ne sait pas, peut-être c'est le mauvais esprit qu'il a fait. Ferme ta sale bouche. Le gars parle à moi. Tu viens commenter sur mon muscle. Ferme ta sale bouche. Oui. Ce n'est pas bien. Des belles soeurs affamées. Vraiment, votre frère ne travaille pas encore. Il fait le job. Il n'a pas encore les papiers. Il n'a pas encore le kaolo. Si on le met dehors, il devient quoi? Il devient quoi? Vous ne pouvez même pas... Moi, je ne comprends pas les belles soeurs. Vous ne pouvez même pas vous cacher, patienter un peu que la situation de votre frère donne avant que vous sortez vos griffes sur celle qui l'aide là-bas au Canada. Hein? Pitiation for Wana. Ma belle soeur chérie, je sais que tu seras à la soirée de la PDG José. Réserve, on sera ensemble. Je vais faire ton dossier que tu m'as donné, le chantier de ta belle famille là. On va gérer, mais comme c'est aussi les gens que je connais. Vous savez, quand un chantier que je connais déjà, tu ne peux pas venir livrer quand même un chantier comme ça. Parce que c'est quand même les gens de Jaguar. Donc, quand même, je ne peux pas aussi venir prononcer le nom de la fille. Je vais appeler Jaguar. Jaguar va avertir à sa belle-sœur que laisse le mari, enlève la grosse photo que tu as mis au mur là. La jachère de ça. Vous, les filles du pays là, vous ne savez pas que les gars ici en Europe sont occupés. Hein? Oh non. Ce n'est pas bien. Même quand tu veux escroquer, comme vous êtes tous là, les belles se escroquent là, attends que ton frère même ait ses papiers, non? Que sa situation... Parce que si on le chasse avec le froid qui est au Canada, maman, c'est la neige jusqu'à le feu sort. Il va aller où? Quand vous êtes là dedans, c'est comme ça, vous commencez à voir les défauts des filles. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes souvent que vous les belles sœurs là. Je ne peux pas accuser les gars. Vous savez, les hommes sur Facebook, parfois ils draguent pour confirmer qu'ils sont beaux. Vous les filles de Facebook, sachez que les hommes, ils draguent. Un gars drague, ça ne veut rien dire. Il y a les filles qui envoient l'argent aux hommes en Europe. Hein. C'est même parce que le gars en Beng, le gars l'a promis que, ouais, comme tu vois là, le compte bancaire, je vis avec une femme blanche, je dors au salon. Je ne fais plus rien avec elle. La carte bancaire, je ne peux pas utiliser. Elle est en train de me chasser. Le gars organise. Il t'appelle. Il t'appelle par le soir. Oui, elle est déjà là. Elle me traumatise. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Elle dit que si je ne paye pas 300 euros, elle me met dehors. Ouais, chérie, je vais aller où mes papiers sortent dans un an. Je viens t'épouser. J'attends un business. Vraiment, c'est sûr. Et comme la fille du pays, elle va tout dire que je peux faire quoi pour t'aider. Non, ma sister Jaguar, je vais te parler de ça. Une de tes belles, elle a collé une grosse photo au mur. Ce n'est pas son mari, j'ai découvert. Je vais te dire, je vais lui dire la vérité que le type est marié. J'ai vu sa femme. Donc, comme je vous disais, il y a les filles au pays qui envoient l'argent aux hommes en Europe. Il m'a dit que oui, je suis chez la femme blanche. Oui, je suis là-bas. Elle me traumatise. Je dors au salon, je ne fais plus rien avec elle. Après, tu entends une voix qui l'appelle. Tu viens ici. C'est sa copine qui l'a organisée avec elle. Il dit que oui, c'est elle qui m'appelle parce que je ne veux plus faire l'amour avec elle. Elle aime trop faire l'amour. Comme je ne veux rien, ça fait un an que je ne fais plus l'amour avec elle. Je ne veux pas, je préfère me préserver pour quand j'arrive au pays, je te vois. Mais elle a de me réclamer 350 euros que si je ne donne pas, je sors de la maison. Vraiment, je suis un gars qui n'aime pas le dehors. Je ne fais pas les faux business. Vraiment, je suis toujours là, à la maison, comme ça, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Le gars dit, il ne demande pas à la fille, mais il est en train de demander autrement. La fille dit que, ouais, je peux faire comment? Il dit, non, ce n'est pas pour te demander quelque chose, mais cette fille, si je ne donne pas les 350 euros, elle m'a donné 2 jours. Elle va me mettre dehors. Je ne sais pas où j'avais. Après, il coupe le téléphone exprès. Après, il te rappelle, il dit que comme la femme blanche arrivait, elle a arraché le téléphone, mais il a réussi à récupérer. Il est dehors au salon, couché.
Après, ce qui est sûr, la fille va dire que oui, chérie. Attends, je vais aller à la Réunion, voir si je peux prêter 200 000. C'est une fille qui n'a jamais envoyé le Western Union en Europe, ni Monégam. Elle va demander au gars, s'il te plaît, tu sais comment on fait pour envoyer l'argent. Tu sais comment on fait pour envoyer l'argent en Europe. Oui, je vais aller à la tontine. Tu dis que c'est 350 euros. Ça fait combien en France, CFA? Le gars dit que non, il ne connaît pas. Alors qu'il connaît, hein? Il dit que non, je ne connais pas. Tu peux demander à Monégam que 350, on va te dire. Ouais, chérie, tu m'envoies l'argent là, mais ça m'énerve que tu m'envoies, mais je n'ai pas le choix. Et tout. La fille dit qu'attends, je vais aller chez ma mère. Vous savez, quand une fille présente déjà un homme à sa mère, à ses parents ou à ses soeurs, on va que la soutenir. C'est le mariage qu'elle cherche comme ça. Le gars dit, elle part chez sa soeur. Pardon, mon gars, je voulais... Pardon, prête-moi l'argent, je veux faire un business. Parce qu'elle ne peut pas dire la vérité que c'est pour envoyer en Europe. Parce qu'on n'a jamais entendu qu'on envoie l'argent du pays en Europe. On sait qu'on envoie l'argent de l'Europe au pays. Elle va dire à sa soeur que non, mon gars a vu un business là, il va acheter les choses que je vends. Il a déjà acheté beaucoup de trucs, mais il faut seulement l'argent du transport. Il m'a fait le conteneur, mais il m'a dit qu'il faut 500 000 pour finir le reste du transport. Écoute comment on escroque la fille. Hein? On fait le conteneur, un gars qui n'a rien, il fait le conteneur avec quoi? Oui, j'ai déjà fait le conteneur. Vraiment, c'est le transport pour que les gens veulent passer même cette semaine. Quand tu envoies tes 500, mais c'est fini, tu l'appelles, il ne décroche plus. Ou bien il continue à te moronto, il t'escroque encore, il te moronto. Les filles au pays payent le mariage en Europe. Il y a les gars qui vont au pays, ils n'ont pas l'argent de séjour, hein, mais ils vivent bien, ils reviennent. Une fille l'entretient propre. Il ramasse ses parfums de 1 euro là. Les rouges à lèvres qu'il a même volé chez d'autres femmes. Parce qu'il y a les gars qui volent les choses chez les autres copines qu'il a. Ils volent même le téléphone. Ils volent le sac à main. Tout ce qu'il t'a apporté, c'est le vol. Il n'a rien. Il part à la salle de bain de Sanga. Il prend les gels douche. Il prend ceci. Il prend les choses. Parfois, tu vois un rouge à lèvres. Tu dis que chérie, on a déjà utilisé. Comment ça se fait? Il te dit que ah bon, on a déjà utilisé. C'est sûr que ce sont les gens de l'aéroport. Alors qu'il a volé ça chez une femme. Il vient te donner, il n'a pas acheté. Quand les hommes vous donnent les choses, regardez bien avant de prendre. Parfois, ce sont les choses de leur femme qu'ils volent pour vous donner. Il n'a rien acheté de ses poches. Quand tu arrives là-bas, tu sais, ouais, quand je venais, mon salaire n'était pas encore tombé. J'ai mon ami qui va m'envoyer l'argent là. Ou bien il te manque, oui, j'ai l'euro. Je vais changer ça. Entre-temps, les premiers jours, est-ce que tu as le franc CFA? La fille commence à donner. Donc, étant à l'aéroport, il te dit, en venant à l'aéroport, je veux, ramène-moi 500, ramène-moi 300 000, ou bien ramène-moi 100 000 là. J'ai que l'euro, je n'aime pas changer mon argent à l'aéroport. La fille amène l'argent. Elle dit que non, je n'ai pas beaucoup, je n'ai que 100 000. Il dit que non, mais ce n'est pas grave. Ramène, j'ai l'argent là, je vais changer après. Donc, tu vas chercher un gars à l'aéroport, c'est toi qui commences à dépenser le premier jusqu'au dernier jour. Et c'est lui qui te commande ce qu'il va manger. Il n'a jamais rationné. Il te dit, oh là là, ouais, je vais aller au village, il y a une coutume qu'on m'a dit de faire là. Oh là là, ma voiture qui devait, ma voiture est restée au port. C'est toi qui donnes la voiture pour lui. Hein. Tu loues la voiture, tu lui donnes. Ma voiture est restée au port. Vraiment, je devais prendre la voiture. Il a toujours une raison, les escrocs là. Un vrai homme ne demande pas une femme. Ma voiture au port, vraiment, il ne sait pas comment je vais rouler. Je n'aime pas le transport. C'est lui qui n'a rien. Hein. C'est lui qui n'aime pas le taxi. Donc, il n'a rien, mais il veut les gros choses. Il veut que tu loues la voiture pour lui. Tu loues la voiture. Tu vas même voir un de tes shows même encore que tu as. Comme tu as le mbengi, tu dis au show que chérie, pardon, prête-moi ta voiture. J'ai un problème au village. J'ai mon cousin qui va conduire alors que c'est ton show qui est dedans. Les filles, arrêtez de, je sais pas quoi, arrêtez, c'est l'embrouille. Ça ne va pas là, ça ne va pas. Pour finir, le gars, tu prends tes choses, tu vas mettre en gage, tu vas faire l'usure pour t'occuper d'un gars qui vient de l'Europe. On s'occupe d'un gars qui vient de Mbengi. Non, je n'expose pas les gars à René Francis. C'est parce que vous, les gars du pays, vous exagérez. Une fille ne peut pas venir de l'Europe. Elle s'occupe d'un homme jusqu'à du premier au dernier jour. Le gars commence à lui mentir. Oui, tu sais qu'on va aller voir ta famille là. Je voulais aller même demander ta main. Vraiment, je ne veux pas quitter ma... Mes choses sont calées au port. J'ai chargé le conteneur. Je n'arrive pas à dédouaner. J'ai envie d'aller voir tes parents avant de partir. Je voulais toquer la porte. Même toquer la porte René Francis. Le whisky pour toquer la porte, c'est peut-être 50 000, non?
C'est encore la fille qui paye pour aller toquer la porte. Le whisky que tu vas aller. Vous pensez, quand vous payez le whisky de toquer la porte, ça peut donner la bénédiction dans quel mariage? Non, vraiment, je ne peux pas partir en Europe sans toquer la porte, au moins surtout si je veux quand même voir ta famille. C'est toi qui envoies l'argent que ta famille prépare pour attendre un gars qui est venu de l'Europe. Pitiation, Fawana. Même pour acheter le whisky. Whisky pour toquer la porte, le gars ne peut pas, c'est toi qui peux encore acheter. Chérie, voici le whisky là pour aller toquer la porte. Tu donnes au gars, il arrive là-bas, il toque la porte. Tu crois qu'un gars comme ça peut te respecter? Ça ne peut pas nous dépasser. Un vrai gars qui dote sa femme, non mais attends, il pète les plombs quand il dit que c'est fini ou bien quand ils ont les problèmes. Pas comme les faux gars de maintenant, il va toquer les portes chez 5 filles. Il s'en fout même si ça finit. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui qui t'a donné la bouteille? C'est toi-même qui achètes ta bouteille? Tu viens donner? Oh, je voulais faire un big up à un gars aujourd'hui que j'ai rencontré. C'était hier. Quand je venais ici à Lille, j'ai rencontré le gars. Il était dans le métro. Il a commencé à me dire. Donc, il y avait beaucoup de gens qui me faisaient les photos. Et le gars, il était dans le métro. Il a commencé à me parler. C'est toi, Flore de Lille? Non, j'ai trop de problèmes. Je lui dis que ouais, pardon, je suis en train de partir avec maman à Lille là. Il me dit, j'ai trop de problèmes. Pardon, aide-moi. Je lui dis que je t'aide par quoi? Il me dit que tu connais le président Maud Noge. Je lui dis que oui, c'est mon président. Il me dit que j'ai grandi avec lui. Le gars m'a fait pleurer. Hein. Il me dit, le gars parlait seul. Il me dit que Flore, ça fait 5 ans que je suis en Europe, je n'ai pas de papier. Même j'ai laissé ma femme au pays en venant. Je lui donne tout. Je me débrouille et si lui donne tout, mais la fille est enceinte de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, mais drague une autre femme. Drague une autre femme. Tu sentais que le gars, il était désespéré. Pourquoi vous, les filles du pays, vous êtes comme ça, en fait? Pourquoi vous n'êtes pas patiente? Si ton gars part en aventure, patiente. Qu'est-ce qu'il y a que directement, tu vas aller tomber enceinte. On ne te refuse pas d'avoir les shows. Et il m'a dit que la fille, là, me suit. Que lui-même il me suit, la fille me suit. Le gars, il était là, il me dit que la fille enceinte. Ce sont ses amis du quartier là-bas à Mangué qui ont commencé à parler que la fille enceinte. Il avait laissé la fille dans un studio qu'il a payé. Il a lavé, blanchi la fille, lui l'ouvrit un atelier de couture. Une fille baleine. Le gars lui-même il est baganté. Je vais pas dire son nom. Il me dit, vas-y, regarde les photos de la fille quand je l'ai rencontrée, comment elle était bien sale. Regarde là aujourd'hui. La fille commence à insulter le gars que oui, tu m'envoies que les Chinois de l'Europe. Le gars était dans le train seul, il pleure, il parlait seul. Il dit qu'il fait tout, il met la fille à l'aise, met la fille enceinte de quelqu'un de maman. 5 ans, c'est quoi? Pourquoi vous, les filles du pays, vous êtes pressées comme vous ne pouvez pas attendre? 5 ans, c'est quoi? Hein? Quand tu aimes un homme, tu l'attends. Quand il part en aventure, tu peux avoir les shows. Tu peux avoir même un show. Tu te caches loin dans le quartier, loin dans un truc. Mais tomber enceinte, vraiment, c'est dégueulasse. Je pensais que c'était les filles quoi, qui écartaient. Mais même les filles bamileke, ce sont des grosses écarteuses. Non, mais attendez, quand même, c'est souillant. Parce que quand une fille déçoit un homme, le gars regarde d'abord son entourage. Ses soeurs, sa mère, il a doté la fille propre, doté fini. Vous savez que la dot en Afrique, hein, je ne vais pas vous mentir, la dot est plus importante que le mariage officiel. La dot, quand on te dote, hein, c'est comme si on t'attachait la corde au cou. Les vrais dotes, pas les dotes que les filles se dotent là. Un dote qu'un gars est venu doter. La fille est déjà enceinte de quelqu'un d'autre. Il m'a montré les photos, le ventre est devant. Pitiation for you. C'est vous qu'on voit commenter beaucoup ici pour faire les leçons de, pour donner les leçons à Facebook. Tu ne peux pas attendre un homme. 5 ans, c'est quoi? Ton gars part en aventure, 5 ans, c'est bon, tu tombes enceinte de quelqu'un d'autre. Alors que vous avez déjà un autre enfant. Oui, c'est une fille baleine. Elle se reconnaît, regardez ici. Ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien, ma chérie. C'est pour ça qu'elle dit que. Franchement, sans vous mentir, les gars qui sont ici ou partent épouser souvent les filles au pays, là, je ne refuse pas, il y a les filles sérieuses. Mais il y a aussi trop les filles malhonnêtes.
elles sont plus waka. Oui, on en a ras-le-bol. Ça dépend de l'âge de la fille. Ça veut dire quoi? 5 ans, c'est beaucoup. Hein? Toi, Mbrakata, gnoc gnoc. Donc, tu ne peux pas attendre un homme 5 ans. Hein? Mbrakata, gnoc gnoc. Non, maman, Mbrakata. Non, attends, c'est pas bien. Moi, j'ai pas aimé, hein. J'ai pas aimé ce que la fille a fait au gars. Pardon, excusez-moi, je prends quand même mon petit dessert. C'est les fraises. Pas bien. Elle croit que le gars du quartier, là, qui l'a enceinte, là, il croit que... Vraiment, j'ai dit au gars que je cherche une blanche, les Camerounaises même, là, ça ne vaut pas la peine. Et que nous, les vieilles chouettes, nous sommes là. La relation à distance. Ouais, la relation à distance, oui, ça dépend. C'est la Binda Skype, non? Binda WhatsApp. Je dis au gars que, et je lui dis encore, parce que c'est qui me regarde. Mon frère, tous ceux qui viennent de haut, ils assent l'ongunda. On ne reste pas comme ça. Il faut aller à Slongunda. Tu cherches une blanche, drague, tu... Mais si tu vois, le gars est beau, hein. Hey. Quand j'ai regardé qu'il faut... Hey, j'ai pensé à toi jusqu'à... J'ai dit, tu es où depuis? Le gars est mignon. Le gars m'a offert un café. J'ai bu le café, je le regardais. Noir, bien noir de peau. J'aime les gars qui sont black. Il m'a offert le café avec ma mère. Après, j'ai dit dans mon cœur que la qualité, c'est même là... Je lui ai seulement dit que mon frère, comme tu vois là, il faut draguer les blanches. Voilà les blanches là-bas. Il lui a dit, va en boîte. Il faut aller au Makumba. On a les blanches de Makumba. Elles aiment la gnasse. Les blanches de Makumba. Merde, les blanches des boîtes de nuit des noirs là. Maman, elles mettent le stérilet hoha. Elles prennent les pilules. C'est la gnasse que tu veux voir. Elles aiment la gnasse. La gnasse. Bonsoir, mon président. Il y a une vieille chouette qui a fait la vidéo la dernière fois que tu es son ex d'ailleurs avant. J'ai rigolé jusqu'à. J'ai dit que, ah, si c'était la mine avant, c'était la mine avant, non? Maman, les blanches aiment la gnasse. Demandez aux gars noirs qui cherchent les watts là. Quoi, où le ciel, ma? Non. Ok. Voilà, non. Bonne nuit, maman. Au lit, bon, bon, ma. Au lit, bon. Bon, madame, j'étais pas intro au sa cabinet. René Francis, les blanches des boîtes de nuit, des noirs. Hey! Maman, j'ai vu Kikine dit que sa femme est bien grosse plus que moi. Hein. Il dit que moi, je suis plus grosse que sa femme, maman. Ça, c'est les blanches de la Zumba. Les blanches de la Zumba. La mère dit qu'elle veut se laver. Non, qu'elle aille dormir, pardon. En Europe, on ne se lave pas deux fois par jour. C'est une fois. Il fait froid. Qu'elle arrête d'utiliser l'eau. Elle paye l'eau ici, là. Il paye water for ya. Quelqu'un veut se wash deux fois par jour que tu payes l'eau. Paye l'eau ici, mais on se lave une fois. Les blanches du Makumba. Les blanches de Amé Kamela.
Là où ils faisaient le DJ, la Zumba. Maman, les blanches, là, elles aiment faire l'amour jusqu'à... Elles ont tous les fesses qui... Je ne sais pas comment les femmes blanches la font. Hein. Elles aiment le sexe. Donc, elles aiment le sexe à un niveau où elles pantaient du nez. Les femmes blanches aiment le sexe. Vos frères ne dorment pas. Ils maigrissent comme ça. C'est la maigreur de la nièce. On dit que les femmes là nias jusqu'à ce qu'elles appellent leurs copines aussi devenir nias. Oui. Elles aiment la nias. Demandez, on va vous dire, je ne mens pas. Et nias comme ça, elles tombent pas enceinte. Surtout qu'elles savent que tu cherches le cas. Maman, tu vas travailler, c'est elle qui gère la carte bleue. Donc quand tu veux dépenser, tu lui demandes, c'est elle qui est ton patron sur tes dos. C'est elle qui calcule, ouais, mais chérie, mais je vois que tu as utilisé la carte bleue 50 euros, mais tu étais, elle suivait tout sur internet. Vous savez que les noirs n'ont pas trop le temps. Les femmes noires, elles n'ont pas le temps de trop contrôler tout ça sur internet comme les watts là. Elles n'ont pas le temps là. Épineuse. Maman, deux fois tu vois, ouais, quand j'habitais à Lille avec, quand je venais d'arriver, j'étais sous, tu sais que le squattage, non? Vous savez quand? Quand on venait d'arriver en bain, chacun se chef. Quand tes frères, quand mes frères noirs qui habitaient dans la maison arrivaient, tu vois un gars rentre le matin, tu le vois manger les pâtes avec la crème fraîche. Il met un peu la crème, il chauffe au micro-ondes. Il mange ça jusqu'à... Tu le vois là. Il est fatigué. Tu dis que quoi? Il dit que... Yay! La femme blanche m'a tué toute la nuit. Là où je suis, le bout de mon ouais me fait même mal. Toute la nuit, la femme blanche m'a tombé. Le matin à 5 heures, elles ont aussi l'heure là. Les 4 heures, elles te réveillent. Bonne nuit, moi, 4 heures, là. On sent les gens qui sont mariés. Sans souffrir, maman. Oh, la souffrance de ça. Elle souffre jusqu'à. Bonne nuit à vous aussi. Elles aiment trop la nièce. Alors que leurs frères ne sont pas comme ça. Hein. Leurs frères... Si tu lui donnes seulement même un côté, c'est déjà bon. Il est content. Leur frère, même nous, on les donne rendez-vous avant de nias. Hein. Est-ce que c'est comme si c'est qu'ils nias tous les jours? Non, on les donne rendez-vous. Quand ils commencent à trop parler à nias, tu dis que hey, je suis malade. Excuse-moi. Il te fait un peu les câlins jusque-là. Il te fait la bise. Leur frère ne dérange pas. Il te fait un peu les câlins ici au haut. Il te fait le bisou là. Il te fait le bisou là. Et puis c'est bon. Tu lui donnes rendez-vous. Tu dis que non, la semaine prochaine, on va faire. Il ne te dérange pas. Ouais, bon. Je n'ai pas encore ce moment. Moi, je vais aller dormir. Hein. Il est 22h30. Ça fait une heure que je suis en direct. Hein. 22h37. Donc, je vais vous dire, je vais vous souhaiter bonne nuit et vous remercier infiniment de m'avoir écouté. Je voulais vous dire que la team PDG reste soudée et reste une team libre. Libre de venir et libre de partir. Je ne tolère plus les commentaires de certaines personnes parce qu'on doit se respecter. Je ne tolère pas. Quand on dit non, c'est non. Quand on dit stop, c'est stop. Les personnes qui ont été virées ce soir, comme je l'ai dit, officiellement, Flora White, de la team PDG, par son manque de respect et qu'elle aille me clasher, je ne vais jamais aller écouter parce que je l'ai bloquée. J'attends le jour qu'elle va commenter ici sur la team officielle, je vais la bloquer en même temps. Non, c'est les fraises. C'est les fraises. J'ai découpé les fraises. Je mange ça ce soir. C'est tout quoi. Je vous remercie infiniment et je voulais dire que respecter les gens, comme j'ai dit, la PDG canadienne a trop subi, elle a trop supporté. LVS Cosmétique ne peut pas subir pour commencer à l'insulter. Vous voulez parler d'elle? Mais attends, c'est incroyable. Tata Doudou, elle est partie. Déposez cette femme. Laissez-la en paix. Ne parlez plus d'elle. C'est tout.
Elle n'est plus là, elle ne vous a rien demandé. Même si elle jette des pics, c'est... laissez-la tranquille. Collez la paix aux gens et respectez les gens. On doit se respecter. Je crois que c'est clair. Je pense que c'est assez clair. Je ne peux pas vous taper, je ne peux rien faire, je ne peux que vous dire comme je suis en train de dire. Parce que c'est vous qui prenez vos murs, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Même s'il reste deux personnes, il n'y a pas une team dans la team. La personne qui veut créer sa team a créé ailleurs. Il n'y a pas une team dans la team PDG. Vous m'aviez trouvé avec mon concept. Vous allez me laisser avec vous partir. Quand vous partez, vous me laissez avec son concept. Bien sûr que derrière quelqu'un, on rencontre quelqu'un. Comme dans la vie réelle. Derrière Facebook, il y a des personnes qui se font des relations réelles. Qui se rencontrent, qui se marient, qui tombent amoureux. Oui, quand je vois quelqu'un, un FP qui se dévoile à un autre FP, c'est pourquoi? Si tu veux te dévoiler, va créer un vrai profil. Tu viens te dévoiler. Pourquoi tu te dévoiles? Un FP se dévoile à un autre FP. Mais du jamais vu. Du jamais vu. Si vous voulez vous dévoiler, mais venez, c'est pitiation. Quand on dit FP, c'est l'anonymat, tu ne peux pas être dans l'anonymat en même temps vouloir te faire voir, non? Bamboma danger. C'est la paix et rien que la paix. D'accord? Ce n'est pas grave. Elle insulte Ebamileke et alors? Ce n'est pas grave. Elle n'est pas la seule qui insulte Ebamileke. Donc vous collez la paix. Arrêtez qu'elle insulte Ebamileke. Non. Ok? Moi je pense que la politique est venue mélanger tout le monde, hein? Un jour, quelqu'un a quitté la team parce que j'avais parlé que quoi là? On ne voit pas tes seins. Mangala Akimbo. Regardez-moi le nom de faux profil de quelqu'un. Respectons-nous. C'est très important. La politique, c'est une source de tribalisme. C'est quelque chose qu'on a créé pour discréer les gens. Le Cameroun est indivisible, on sera toujours ensemble. Vous pensez que c'est en disant que tel est tribalisme, que j'ai les amis qui ne sont pas Bamileke, que je ne vais pas être ami avec eux. Ça ne change rien, je suis désolée. À chacun ses amis. Ce n'est pas parce que les Bamileke ne sont pas tribalistes. Ils n'insultent pas aussi les autres. Quelle tribu n'est pas tribaliste au Cameroun? Tout le monde insulte tout le monde, donc arrêtez ça. Donc arrêtons un peu. Vous pensez que c'est en parlant ça que si j'ai les amis? Non. Pourquoi? Le respect et la loyauté, bien sûr. Il faut arrêter. Il n'y a pas de team dans la team. Quelqu'un veut créer sa team, va créer ailleurs. Vous savez, parfois tu entres dans une tontine. Hein? Après tu prends les gens, tu vas créer ta part. Mais le fondateur reste le fondateur. C'est-à-dire que, j'espère, les compreneurs comprennent, je dis. Parfois, tu arrives dans une tontine. Tu cherches à prendre le pouvoir. Tu prends les gens, tu vas créer ta part de tontine derrière. Ça fait semblant de marcher, mais après, ça se gâte. Le pouvoir, non. Ça se mérite. Fleur de Lys est unique à son genre. C'est-à-dire, personne ne sera jamais moi et je ne serai jamais personne. Personne ne sera jamais moi et je ne serai jamais personne. Chaque personne est unique à son genre. Les gens disent que je parle le faux français. Je fais ci. J'entraîne les femmes. Je fais ceci. Mais ils sont toujours là. Je suis une fille qui a de la personnalité. Moi, même si la relation finit avec quelqu'un, je ne vais pas venir sur Facebook commencer à gesticuler. Non. Vous savez, des fois, j'ai mes relations que je ne veux pas le mettre sur Facebook. Je ne veux même pas qu'on sache. Parce que vous, les FP, vous êtes souvent tellement jaloux. Vous avez tellement peur qu'on me fasse du mal que parfois, vous me faites même du mal avant que ces personnes ne viennent me faire du mal. Je ne mets pas mes amis sur les réseaux sociaux. Sauf ceux qui veulent. Parce que je sais que vous voulez me protéger. Mais en voulant trop me protéger, vous me mettez dans la merde.
Parfois, j'ai des amis. Non, Flo, pardon, je ne veux pas parce que tes gens-là, demain, ils vont être sur moi, ils vont m'insulter. Pourquoi? Pourquoi? Si l'amitié, c'est comme vous, est-ce que l'amitié finit, non? Même avec la famille, n'est-ce pas? Des fois, chacun est dans son coin. Vous n'avez pas des personnes avec qui vous ne parlez pas. Quand vous êtes ensemble, le demain, vous n'êtes plus ensemble. Après, vous êtes encore ensemble. L'amitié, c'est comme ça. Aujourd'hui, on parle. Demain, on n'est plus ensemble. Après, on se voit. J'ai mes amis avec qui je ne parle pas aujourd'hui. Même si demain, je commence à parler avec eux, je ne vais pas venir sur Facebook, même commenter leurs posts, même faire qu'on sache que je parle avec eux. Parce que je ne veux pas que vous les abeilles, vous tombez sur ces gens-là. Parce que vous avez dit, oui, mais tel va encore te faire du mal. Je sais que vous voulez me protéger. Mais en voulant me protéger, vous me faites encore plus du mal. Donc, par moment, il faut souvent... Je sais que vous voyez les choses venir avant que je ne voie. Mais par moment, vous exagérez. Oui. Certains abeilles exagèrent. Est-ce que vous savez que quand tu aimes quelqu'un, tu respectes son entourage, tu respectes ses amis, même si tu ne les aimes pas. Parce que le respect, ce n'est pas l'amour. Tu peux respecter quelqu'un sans aimer la personne. Si tu vois que Flo avec toi, tu vas respecter les personnes qui sont autour d'elle, même s'ils sont des diables. Au nom de qui? Au nom de Flo. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. On te voit en train d'insulter LVS Cosmétiques. On te voit en train d'insulter Nathalie Babalé. Par exemple, mon danger, je nique ta race. Hein. Tu as compris, non? Tu veux prononcer, c'est comme ça que vous êtes toujours. Tu viens prononcer le nom de Nelly là par rapport à quoi? Hein? Faut pas souvent attirer. Je n'aime pas ça. Hein. C'est vrai, je n'aime pas. Vous pensez que vous m'avez connu suffisamment. Donc avant de me connaître, je n'avais pas des amis. Je suis tombée du ciel. Tu n'aimes pas tous mes amis, je sais. Et je les respecte, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu dois les respecter. Je ne t'ai pas demandé de trop aimer mes amis. Mais tu dois les respecter. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Et parfois, apprenez à ignorer certains FP. Parce qu'il y a certains qui veulent se faire voir. Apprenez à ne plus trop faire les posts sur... Un petit tout venez faire les posts pour parler. Parce que vous donnez l'importance aux personnes qui veulent se faire voir. C'est trop. Vous ne pouvez pas causer des problèmes aux gens comme ça. Pourquoi? Ma folosque, tu as fabriqué une personne qui passe son temps à donner les éloges. Mais ces personnes donnent les éloges parce que hein, ces personnes veulent que vous. C'est parce qu'ils veulent attirer votre attention. Si les gens là donnent les éloges et que vous ne calculez pas, vous croyez qu'ils vont continuer à donner. C'est pour vous choquer. Vous pensez que c'est les éloges donnés là sont du fond du cœur. C'est pas du fond du cœur. C'est juste pour énerver. Que je vais donner les éloges pour énerver la team de la reine, mais pas la reine, mais parce que moi, vous savez, j'ai appris à ne plus trop m'énerver. Ça ne sert à rien. Kalamongo a son moment. Je vous aime très fort. Que la guerre des beaux aïeurs comme les Guillema avec les Corinne Berthier, ils avaient fait leur guerre ailleurs. Et sans prononcer mon nom là-dedans. S'il vous plaît. Quand vous faites déjà que c'est la guerre, pas mon nom. Faites vos choses entre vous là-bas. Pas mon nom là-dedans. Ne faites pas allusion à moi. Faites vos guerres. Insultez-vous comme vous voulez. Parce que dans la famille, vous pouvez vous insulter. Ne mettez pas mon nom dedans. Ne mettez pas mon nom dans ça. La vie est trop courte. Ça ne sert à rien de se haïr pour rien. Moi, je ne suis pas rancunière. Bonne nuit. Moi, le whisky coca, ça ne me fait rien. Bon, je vais dormir. Je vous laisse. Je vous aime beaucoup. Et rendez-vous ce week-end. Et surtout, rendez-vous au Canada le 30 mars.
rendez-vous le 30 mars au Canada. J'invite toute la team PDGIS à revenir vous enjailler chez la PDG des bureaux, José. On attend l'invité surprise qui partira ou c'est de quel pays là. Comme les gens aiment entendre là. Comme les gens aiment taper le bébé, bébé. Je vais partir au Canada pour faire. On les attend de pied ferme. Vous avez compris, non? Venez, on va danser, on va s'amuser ensemble le 30. Oui, je bois l'autre côté, je mange c'est les fruits, je n'ai pas mangé ce soir. Je vous aime de tout mon cœur, Inès et So. Prends les cœurs, merci Makalama Bobé. Moi, il faut le visa de Magina Purity. Tu sais qu'à un moment ici, on disait toujours que c'est toi que je supporte. Oh, Magina Purity a fait que tu n'as rien dit. Oh, tu préfères Magina Purity que tout le monde. Tu aimes Magina Purity. Tu aimes... Oh, tu... Je vous aime tous de la même façon. Chaque faux pourvu vient là s'imposer et se faire voir. Comme les Dikwin là. J'ai interdit Dikwin de commenter encore dans leurs histoires que c'est les moments. Si Dikwin commente, capturez, vous me donnez. Vous avez compris, non? Je la bloque. Parce que j'ai bloqué, il y a les gens que je veux bloquer encore. J'attends qu'ils viennent commenter cela encore sur la team PDGIS. Gaston Machipon qui commente encore sur la team. Elle est mise à pied. Corinne Berthier exclue à vie. Voilà le faux profil qu'elle disait là. Louise Ndolo aussi. Mais LVS ne te connaît pas. Moi, je connais qui tu es. Un matin, tu m'as fait, je me suis levée, il était 7 heures pour appeler Louise Ndolosi. Elle l'avait déjà donné comment elle va faire ceci à LVS jusqu'à. Alors que LVS, LVS, Yvain Gomati, Louise Ndolosi, je la connais. Tu manges, tu bois avec elle. Tu manges, tu bois avec elle. Elle est bassa comme toi. Elle entraînait souvent les autres. C'est moi qui l'ai appelée en cachet pour dire que pardon. Tu sais, s'il te plaît. Parce que quand les gens viennent au salon, ils viennent là, elle fait un peu, genre, elle sent que comme tu ne fais pas toi le Congo, ça là, elle l'observe, non? Après, elle vient sur Facebook, quand tu fais quelque chose, je vais dire, tu avais dit que comme dans ça, il y a un peu de vérité, dans le Congo, ça, il y a toujours un peu de vérité, non? Tu peux parler ta soeur au salon, tu coiffes ta tête du début à la fin sans rien dire. C'est que si quelqu'un peut t'appeler au Congo, ça, au téléphone, tu fais un petit Congo, ça, elle note seulement le Congo, ça que tu as fait. Quand elle vient sur Facebook, elle commente que oui, tu avais dit ceci tel jour, non? Il avait trahi ce que tu as dit sur la reine, mais alors que tu n'as rien dit. Alors que tu as seulement dit non, Flore de Lila, vraiment, elle est trop simple. Vraiment, quand je. Elle est trop simple. Elle était même ici, là, hier. Non, je ne balance pas. J'ai seulement dit, est-ce que tu. Imagine la plus d'y parler avec toi, qui connais tu es. Mais tu as déjà dit même à certains de tes faux-profils, que tu. Certains de tes amis, là, que tu m'as déjà rencontré. Que toi et moi, tu m'as déjà rencontré jusqu'à ce qu'on a même mangé ensemble. Mais je sais que tu es qui. Je vais commencer à demander à mes amis que. Non, je ne peux pas te balancer. Je t'aime, Louise Ndolo. Non, je ne peux pas. Ouais, toi aussi. Je ne peux pas te balancer. Oui, capturez-moi Dikwin. Anita Belluna, capturez-moi Dikwin si elle commente sur un post où on insulte quelqu'un de la team. Ce n'est pas que dès qu'elle va aller commenter, elle est libre d'avoir ses amis. Hein. Ce n'est pas que dès qu'elle va aller commenter quelque chose. Mais s'il y a un post où elle commente, qui s'adresse à quelqu'un de la team, vous capturez ça. Vous savez comment ça fait mal quand tu ne peux pas commenter à la team. Tu te dis que tu ne sais plus à rien d'être FP. Puisque tu regardes seulement, tu ne peux rien dire. Tu sais que tu écris, la reine ne peut pas gérer. Vous savez, je n'interviens pas sur tout ce que les FP disent parce que ce n'est pas tous les FP que je regarde. Mais il y a certains là qui gesticulent trop là que je regarde. Mais quand quelqu'un commence encore à me trop m'énerver, je ne regarde plus. Mais Gaston avait publié la fois passée, non. Je ne comprends pas. Que pâte de poulet. Même les gens, j'ai bloqué certaines personnes parce que les gens là sont venus dire que oui, Kikinet t'a insulté aujourd'hui. Est-ce que je vous entoure sa cabinet? J'ai bloqué la personne. Comme vous aimez le Congo, ça, c'est vous qui cherchez même le Congo, ça. Allez faire le combat là-bas et vous n'êtes pas obligé de me dire.
Vous n'êtes pas obligé de me dire. Imagine la purity. Arrête les inbox avec les gens. Moi, je te dis, hein, arrête de faire attention aux autres FP. Arrête les inbox. Arrête les inbox. Si quelqu'un te drague, tu gardes ça pour toi. Arrête les inbox. Parce que quand tu vas te plaindre à les autres FP là, ils reviennent toujours dire Guillaume est revenu. Il a recréé un autre FP. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Erronius. Erronius est revenu. Maman. Erronius, ça dit qu'il est revenu. Il a commenté où? Je n'ai pas vu. C'est sûr que... Il a oublié tous ses mots de passe parce que les faux profils que vous voyez là, ils ont plein de FP. Guillaume, il a peut-être un 5 faux profils, Guillaume. Quand il sent qu'il ne peut pas écrire ce que tout le monde lit à la team là, ça l'énerve. Ça l'énerve jusqu'à. Pendant que quelqu'un qui a même écrit Flo Kenka, mais je dis à mamie, parmi tous les faux, donc parmi tous les noms qui existent, tu prends mon vrai nom, tu te crées un faux profil, Flo Kenka. Mais tu es normal. Tu n'as pas ton nom du village. Hein? Non, mais attendez, vous voyez les choses. Quelqu'un prend mon nom, Flo Kenka. Comme dans mon acte de naissance. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas trouver un nom pour te créer un faux profil. Hein? Hey, ma chérie, enlève mon nom du village. Si ton nom du village est laid, ce n'est pas mon problème. Même si tu me soutiens, ne prends pas mon nom du village pour aller te créer un faux profil, Flo Kenkam. Comme ça, tu vas aller commenter, on va dire que c'est moi. Vraiment, c'est vous qui cherchez ma mort. Vous tous là. C'est vous. Tu ne peux pas te trouver un nom du village, maman. Prends ton nom du village. C'est pas, écris même Kikinette, non? Je sais pas, écris grosse bouche. Bouche de vache, il y a les noms. Bouche de vache. Prends ça, tu prends mon nom du village, tu crées le faux profil avec Flo Kenkam. Faut respecter mon nom, hein. Tu as compris? Tu as compris, non? Faut respecter. Tu vas changer le nom là, tu mets un autre nom, sinon il te bloque. Faut respecter mon nom, ma chérie. Flo Kenkam. Comme si tu peux prononcer. Non, bouche de cheval. Non, c'est pas bouche de cheval. Grosse bouche de quoi? Parce que bouche de cheval, c'est déjà occupé par la fortune. C'est comment la fortune? L'été, quand ça avait déjà donné à la fortune, bouche de cheval, personne ne peut plus s'appeler comme ça. Parce que si vous appelez bouche de cheval, c'est comme si c'était elle. Ce n'est pas elle. Guillemère, Jennifer Flore, Flore Mafo, vous aimez mon nom, hein? Solange Dieu Mafo de retour. Depuis que j'ai rendu le nom Mafo célèbre, vous connaissez la définition de ça. Quand je lis les noms ici, Flore Blanche, ça va même être Flore Jansan. Coupe Mafo, on veut déjà dormir. Maman, les filles sans mari comme nous. Si tu veux dormir, maman, tu as ton gars, Dieu t'a donné, non? Tu veux te vanter devant les gens que tu as le mari. Va dormir, non, maman? Ou bien tu as mis les écouteurs, tu es couché à côté de lui, ou tu es au toit. Depuis que tu chies là, ce n'est pas fini. Vous êtes assise dans les toilettes, en train de tirer la chasse d'eau parce que vous écoutez seulement la reine. Mais allez dormir, c'est l'heure des femmes mariées. Attendez quand elle veut me marier. Ton nom c'est Flora et Kenkam c'est ton nom, mamie. Change ça, mets ton nom du village. Même gold de ceinture ou bien poil de carotte. Tu peux mettre, il y a les noms, il y a poil de carotte, il y a magasin. Il y a même l'autre, le boutin d'âge. C'est-à-dire quand les gens m'insultent, ça vous fait mal. C'est-à-dire que
Non, mais sérieux, vous les FPS, c'est que je le comprends parce que quand les gens m'insultent, ça vous fait mal comme si c'était vous. Ça vous fait mal jusqu'à. Et quand je dis que je vais faire le direct, vous priez derrière, vous évoquez les dieux que pardon. Pour pas qu'Endem, elle va nous dire quoi. Vous savez, je n'écris pas ce que je vais dire. Ça sort seulement comme ça sort et ça sort du fond du cœur. Vous comprenez, non? Vous ne pouvez pas être qu'on insulte votre star, ça vous énerve. Vous partez chercher l'amitié. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui me connaît. Vous voyez Loco en train de faire son direct. Vous partez, tu connais ma fouflore de Lille. Mais vous voulez forcer les gens à dire qu'ils me connaissent par rapport à quoi? Même si c'est moi, lui, même si il connaît, il dit qu'il ne connaît pas. Parce que vous voulez seulement qu'il dise que oui, je connais votre fleur de lit, je la suis souvent, vous capturez ça, vous commencez à chercher le work avec. Quand vous restez, que vous n'avez pas le travail, restez tranquille. Vous avez compris? Ah bon, Inès, c'est ce Flora est ressuscité. Où? Je ne vois pas, je ne vous manque pas. Où? Ma cabondolée. On sent que la fille aime le malaxé. Maman, laisse les sardinas là. Les tontinas. Toi, tu es tontina. Tu trônes. Maman, j'ai parlé de la politique aujourd'hui. Vous voyez comment les gens sont souvent qu'ils se réveillent. Ou bien il allait pisser son deuxième tour de pisse. Tu dors, tu te lèves. Ou tu as bu du colax pour aller chier. Tu te lèves, tu tapes Facebook, tu vois Flore de Lille en direct. Tu écris directement. Tu es tontina ou sardina. On t'a dit qu'on parlait de politique ici là. Hein? Tu as entendu ou que ton Tina, tu as vu, on a parlé quelque chose ici qui concerne. Quand tu es hors sujet, pisse d'abord un peu, tu te lèves, tu regardes, prends ton temps. Tu n'es même pas d'abord obligé de commenter. Tu comprends? Tu te lèves dans le sommeil. Elle est ton Tina. Je suis sûre que vous vous réveillez souvent la nuit par tes zappés Facebook. Pour dormir maintenant, ce que vous devez faire, c'est vous laisser le téléphone au salon. Parce que moi-même, c'est ce que je fais. Tu dors, le sommeil n'entre pas dans tes yeux parce que tu zappes toujours Facebook. Des fois, il n'y a rien, mais ta main est toujours en train de taper la fille d'actualité, qu'il n'y a rien. Vous partez là, je comprends. Vous tapez. Vous partez partout, vous tapez. Vous partez partout. Maintenant, j'ai envie de faire les directs deux fois la semaine. Voilà, alors les libérer. Kamto va le libérer. Non. Maman, on a une vieille chouette à discuter, le Mbangala, aujourd'hui à Yaoundé. Je ne veux pas dire son nom, que c'est la vieille chouette qui avait... L'autre vieille chouette là, qui est folle là. Maman, du camp des chargeurs de pain. Ou bien les de quel camp? Oh. Maman, la vieille chouette là a discuté jusqu'à elle voulait taper même un nom. Le Mbangala de ça, en pleine journée. Il faut voir comment elle était musclée. Elle était musclée. On l'a fumé. Le gars disait que tu as goûté mon Mbangala. Elle disait que je vais vraiment. L'erreur de Meng. Ça dit que le ratage de Meng de ça. Maman, j'espère qu'elle va rentrer vivre au Cameroun. Hein. Parce que beaucoup de Mbengistes ont toujours un problème psychologique là. Ou c'est l'Umbanga, ou c'est quoi, ou c'est le stress de Mbeng. Ils sont toujours, ils se comportent un genre quand ils rentrent au pays. Vous savez, quand nous on était au, quand j'étais au pays, on avait un fou là au quartier, il s'appelait Sokoloko. Il s'appelait Sokoloko. D'autres gens l'appelaient Adou. Il s'appelait Sokoloko. Il avait toujours la guitare en bois, qu'il jouait sa guitare en bois. Là. On dirait que c'était un ancien Mbengi qui vivait en Suisse. Il y a beaucoup de fous au Cameroun. Hein. Eux, ils vivaient d'abord en Beng avant de rentrer. On les a rapatriés. Oui, c'est la vérité. Les anciens Bengis, quand ils rentrent, ou c'est la folie qu'il est, ou c'est le manque de Mbanga, je ne sais pas. Hein. Mais ils se comportent, ils ont un problème. Certains, ils ont quand même un problème. Elle sautait là-bas au sous-quartier. Maman, c'est dans le quartier là qu'elle habite. Massa. Maman, il faut voir le quartier qu'elle habite. Regarde les gens qui insultent les gens sur Facebook. Quand ils ont déjà fini qu'ils ne payent pas les loyers, on les exclut. Exclusion.
et rentre au Cameroun là-bas, louer même un truc à 200 000. 200 000, c'est quoi? C'est 300 euros. Tu peux trouver ici, là, à Paris, là, c'est la chambre qui est 300. Même la chambre, 300 euros, là, c'est trop petit. 400 euros, une chambre, que tu habites chez quelqu'un sous location, 400 euros. D'autres, 500 euros. La sous-location. C'est l'argent de... Ils prennent l'argent de 200, ils vont prendre une villa au Cameroun, tu les vois parler fort. Oui, tu avais fait ça, c'est vrai. Imagine, Puri, tu as eu un gars, un dragueur sur Facebook, maman. Elle allait prendre la photo sur Google. C'est ça, un faux profil. Un faux profil se cache. C'était son dragueur, non? On l'appelait Periloé. Elle a pris la photo métisse. Elle a dit qu'elle est métisse ou c'est guinéenne. Elle a envoyé. Parce que, imagine, Puri, elle a une voix douce. Hein? Elle a vraiment une voix... Elle parle très doucement, une voix très douce. Vraiment, quand elle te parle, c'est pénétrant. Maman, elle a pris la fausse photo sur Google, envoyée au gars. Le gars est tombé sans glisser. Maintenant, le gars voulait la voir en vrai sur appel WhatsApp ou c'est quoi là. L'autre appel là. Il s'appelle même WhatsApp, mais le gars ne l'a pas vu. Mais le gars a envoyé ses vraies photos. Oh, massa. Le gars, il a commencé à se plaindre à moi. Périlleux. Oui, mais elle m'a trop trompé. Elle est métisse. J'ai dit que quelle métisse. Elle habite le pomme. Donc, même ma voisine a le pomme. Hein. C'est vrai que le pomme, c'est un quartier en plein construction. Elle a dit à le pomme à côté d'où je vais aller la saluer dès que j'arrive au pays là, le mois prochain. Voilà. C'est vrai, Ashley. Le couple Loé. Maman, le faux profil a chauffé. Maman, vous connaissez être star. La façon que vous venez, c'est comme ça que vous partez. Chacun a son moment de starmania ici. Que tous les autres faux profils, ils se prennent pour ceux qui vont commander les autres faux profils. Ils sont là, hein, les stars. Tout ça là, les gars tombent derrière, ils draguent. Je connais même F.A. qui a même dragué le mari de ma copine. Jusqu'à se dévoiler. Mais je ne peux pas dévoiler le FP là. Elle a les gros nibas. Elle a les gros nibas. Vraiment. Un FP qui va draguer le gars de Trouille. Parce que tu l'as vu en veste. Jusqu'à tu te montres tes seins. Comme c'est un gars qui aime les femmes au gros sein. On t'a filmé. À côté de Carrefour Andem. Non, vous n'êtes pas sérieux, c'est faux. Maman, je vais aller, c'est ma voisine directe. Elle habille le pomme comme moi. Maman, je vais faire un concours ça. Maman, les grandes dames de Facebook. Une grande dame qui gesticule là sur Facebook, maman. J'ai reçu ses faux. Ces photos. Ah oui. Ah oui, c'est ma sister. J'ai reçu les photos de la grande dame là. Eh, vraiment, les filles du Cameroun. Si tu le dirais, tu m'appelles sec. Bravo. Hé, hey, ma sis, toi, elle dort. Ma sis, tu dors. Tu dors, ma sis. Ah, la soirée, c'est quand je viens de voir gala de charité, maman. Le 22 juin, gala de charité organisé par Jaguar Mout. L'association Famille Solidaire organise le 22 juin. Avec Chakala VIP, Jackie Kingé. L'autre chanteuse, c'est qui, ma sis? M. Julie. Maman, ça va chauffer, ma sis. Pardon, dès que les ventes de tickets commencent, tu me dis non. Ma sis. Maman, l'affaire est vraie, que je t'ai dit là-haut. Maman, le mariage. Je t'ai dit qu'une personne proche à toi a graffé la photo d'un homme marié chez elle. Maman a grandi ça jusqu'à poser au mur. Le gars est marié, je l'ai vu au Canada.
Je vais trahir, mais tu vas savoir comment parler à la personne. Qu'elle ne compte même pas sur le gars, là. Ils se connaissent à Facebook. Oui! Tu comprends, ma sis? Je t'appelle là pour te dire, tu es déjà malade. Maman, ce sont les filles qui cherchent le mariage par Facebook, non? Je veux seulement te dire, comme ça, tu vas lui dire que, pardon, c'est là son gars, elle garde bien le gars, là. Qu'elle ne compte même pas sur le Canadien. Il n'est pas Canadien, il n'a pas de Kaolo. Il n'a pas de papier, ma. Si j'étais au Canada, il te dit que, ouais. Les gars connaissent mentir les filles. Et ta belle. Attends, je vais t'appeler. C'est ta belle sœur. À toutes. Maman. Je ne mens pas. C'est la vérité. Ils sont méchants. Ils ne trahissent pas pourquoi. Dev, Julien, Dev, c'est comment non? Tu m'invites dans ta belle villa là quand non, ma soeur? Ouais, toi aussi. Comment? Tu as fait l'inauguration. La reine mais ne vient même pas là-bas cueillir les raisins. Dans ton château. On est trahi. Je n'aime pas les hommes mariés qui mentent que non, si je suis seulement avec la fille parce que j'ai pitié d'elle. On n'est pas avec une fille parce qu'on a pitié d'elle. C'est pas bien. Non, le soir, mange plus. J'aime les vignes. C'est vrai. Maman, je veux maigrir, pardon. Je veux maigrir quand mon gars va venir me doter. Vous savez que je suis fiancée, non? Mon fiancé, c'est un gars baganté qui est à... C'est quoi le pays de mon gars? Le pays que mon gars est là, c'est où encore là? Mon gars, même comme les gens appellent tout pour faire le Congo, ça là-bas, nanani, nanana, tout ça. Mon gars, c'est mon fiancé, c'est un gars baganté. Mon gars est dans quel pays là? Mon petit gars que vous connaissez là. Il a 36 ans. Il a 36 ans, mon gars. On va se marier. Il a 36 ans. Ouais. Ou bien m'a même menti. Malaisie. Maman, vous connaissez. Yay! Maman, vous connaissez Rotary. Je dis, vous suivez Facebook. Saluez votre beau-frère alors. Votre beau-frère, non, il est trop calme. Je serai là-bas le mois prochain. Tout ça, là, je serai en Malaisie le mois prochain. En Indonésie, Kaboul. Votre beau-frère. Il y a un mariage en vue, oui, maman. Non, celui de l'Espagne, là, pardon, j'avais déjà barré, pardon. Il est même là, il me regarde. N'aime pas un gars qui pleure quand il fait l'amour. Eh, pardon, le gars a pleuré trop. On peut pas le catcher, non. Un gars qui pleure quand il binda, non. N'aime pas, il pleurait trop. Même les gars, tu vois, il pleurait trop. Maman. Kuala Lumpur, oui. Oui, mon gars, Kuala Lumpur. Non, je n'aime pas un gars qui pleure quand il fait l'amour. C'est un Allemand ici qui écrit Allemand, là. Tu crois que je sais lire ça? Il est moumou. Mon gars a dit qu'arrêtez de dire qu'il est moumou, hein, parce que c'est un gars que... Laissez, c'est parce qu'on n'est pas encore marié, c'est pour ça qu'il fait ça. C'est un gars baganté, c'est un gars d'Undé, en Malaisie, oui, c'est un jeune gars, il est très mignon. Maman, quand vous allez voir mon gars, aïe, le goût de ça. J'espère que c'est un gars que les préliminaires. Je n'aime pas les gars. Je suis sortie à l'époque avec un autre gars, quand il se couchait sur mon drap, il laissait le black, il teintait les cheveux avec le black, le black. Je n'aime pas les gars racis. C'est un bon gars. Il n'est pas raciste. Il n'est pas raciste comme les gars. Abassa, là. C'est des racistes comme les Mitumba, là. Mon gars, c'est un frère. C'est un gars frère, quoi. Donc. Non, mon gars est trop mignon. Mon chéri, je te salue, mon amour. Où est le boxeur? Maman, j'ai les anciens dossiers. Toi, tu me parlais d'un ancien dossier enterré. Tu ne me parles pas le boxeur. Boxeur Nanje. Boxeur, c'est qui, maman? On parle des vrais gars. Tu me parles du boxeur, maman. Qui marche encore avec les foirés? Alors, tu m'as bien regardé. J'étais avec le boxeur parce que c'était la pitié. La pitiation offre de ça. Que j'étais avec le boxeur, c'est la pitié. Qui parlait, pardon? Moi, je suis avec les chômeurs. Bon, c'est vrai, il travaille déjà, pardon. J'ai mon gars, c'est un homme d'affaires.
Et son mère, et tire-moi les tétons là. Laisse-moi les tirer, les balais, tire-moi les tétons. Je n'aime pas les gars qui parlent trop dans la binda, les tire-moi les tétons. Quand je vais arriver là-bas, Malaisie, je vais faire la vidéo. N'allez pas, ne cherchez pas à voir mon nom, mais vous allez le voir de dos. Ouais. Mais de la poitrine sans soutien-gorge, très attirant. Tu as vu, ça, ce sont les pervers. Ça, ce sont les pervers. Je peux pas, je vais aller dormir bientôt. Non, mon gars, mon gars est beau. Et il m'aime de vrai. Quand je... Mon gars m'aime, hein. On va se marier au pays. Je veux qu'il rentre au pays. Je viens l'épouser au pays et on revient en Bénin. On remonte. Je sais que vous allez dire, Flore, tu as dit aux gens de ne pas aller épouser les gars du pays. Non, je vais aller moi épouser mon gars. Il est en Malaisie, on rentre au pays, on se marie et on revient. Il vient ici faire la formation, il travaille. On fait notre vie à deux. Mm-hmm. Non, je ne pourrais pas me montrer mon gars, le tout ici là. Moi, je ne veux pas. Le jour que j'ai fait l'amour avec lui, je vais vous dire. Chérie, si tu m'écoutes, avant que je n'arrive, fais tes tests VIH. Je compte me marier quand? Quand un gars va me demander la main. Non, il ne peut pas dégamer. C'est un gars que je vais lui faire découvrir les plaisirs. Beaucoup de plaisir. Moi, j'aime tout partager avec mon homme. Il l'amène au club échangiste. J'ai pas envie qu'il cale là-bas. Je vais l'amener au club échangiste. Voilà. Mon amour, je t'aime. Non, il va me supporter. J'ai dit que pourquoi vous me jugez comme si je ne suis pas une fille mariable? Pourquoi vous me jugez toujours à travers ce réseau? Je vous m'empêche une bonne fille à épouser. Je vous mens pas. Je vous dis que quand je suis avec un gars, je suis trop. Je masse ses pieds. Je le lave dans la baignoire. Je frotte son dos. Je lui fais des massages. Je vous mens pas. Je peux former les filles pour le foyer. Je ne suis pas ce genre de fille qui ne sait pas garder un homme qui crie sur l'homme. Maman, pourquoi quand je suis avec un homme ne m'a jamais quitté. Hein? Bon. Tu ne me maries pas. Un faux profil vient demander à Maria. Quelqu'un dit qu'il ne me croit pas. Combien de fois j'ai demandé à certains FP que, ouais, vous n'avez pas les frais pour marier, vrai, vrai, que je peux. Vous avez dit que non, ma reine, mais il ne faut pas venir sur Facebook dire que tu cherches un gars. Parce qu'une fille qui cherche un gars va venir dire qu'elle cherche un gars. Et voici quelqu'un qui vient de m'envoyer le message que quoi? Qu'elle a son frère. Bonsoir, ma fou. Bonsoir. Désolée de faire votre connaissance. Hey. Ouais. Allez dormir, non. Moi, je n'aime pas sommeil. Quand je commence, c'est pour ça que je n'ai plus envie de trop faire les directs. C'est quand je commence, je m'arrête pas. Je sais que mes fans m'aiment. Je sais que vous m'aimez d'un amour vrai. Ceux qui sont en faux profil m'aiment d'un amour vrai. Ceux qui sont en vrai profil m'aiment d'un amour vrai. Parce que la PDG canadienne m'aime d'un amour réel. Parce que si elle voulait toujours écouter les gens, c'est qu'elle m'invite pour au Canada. Et je vous dis, quand elle m'invite au Canada, elle prend charge de tout. Hein? Vous avez vu comment je suis logée, non? Que ce soit Angers, que n'importe où, que ce soit n'importe qui. Je ne peux pas permettre ça. Que certaines personnes arrêtent de dire que oui, si tu supportes parce que tu... Non, oui, je travaille avec elle, c'est un travail. Hein. On travaille ensemble. D'abord, de un, on doit respecter ça. Les lolos sont plus longs que l'autre. Je n'aime pas porter le soutien. Arrête de dire que mes lolos sont plus longs que l'autre. Tu racontes quoi? Prends le mètre, tu mesures alors. Tu as compris? Prends le mètre, tu mesures. Tu racontes quoi? Que tes lolos sont plus longs que les autres.
N'est-ce pas, c'est parce que tu as trop appuyé ça. Ma faux, pardon, bloque les têtes de mort. Pardon, laisse, on les a tellement bloqués, ils ne sont même plus beaucoup. Chassez-moi et pas dormir. Maman Hollywood. Les Nigériens, si on les a progressé jusqu'à. Fais les mains. Attends, fais tes mains sur la poitrine. Comment? Tu crois que mes mains sont noires? Regarde bien. Tu parles quoi? C'est éclat miel, hein? www.fleurdelisboutique.com. Éclat miel. Au Canada, chez Sunshine. À Paris, chez LVS Cosmétiques. Hein? Aux États-Unis, Angel Kenney Production. À Cardiff, chez la Reine Galloise. En Belgique, au Gabon. Et au Cameroun. Il faut trouver moyen pour débloquer certains effets. Non, ils viennent encore commenter leur long commentaire là. Moi, je ne veux plus les personnes qui viennent parce que je ne comprends pas. On ne peut pas dire aimer quelqu'un et venir écrire de ces trucs négatifs. Non, mais attendez. Ta dot sera 100 milliards. C'est toi qui vas me doter, non? Et vraiment, vous ne savez pas ce que vous ratez, certaines filles. Si j'étais votre belle sœur. Si j'étais votre belle sœur, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas que je vais venir vous flatter, mais. Ma faute, tu vas travailler demain, il faudra dormir. Oui, c'est vrai. Je te dis que la femme de Longuet, Longuet, oui, je l'aime trop. Je l'aime, ma Flo. Ma faute, débloque Guy et ma. C'est toi qui l'as d'abord bloqué. Ange gardien, tu es son ange gardien. Viens le débloquer. Mm-hmm. Il sera débloqué. Moi-même, je veux de toi. Tu as quoi, papa? Tu travailles. Présente-toi. Allez dormir. Ma faute, tu dois être ma belle-mère. Mais j'attends toujours. Donne-moi choupi. Je ne veux pas. Tu vas déranger mon enfant. Va. Ouais, quittez aussi, non. Déconnectez-vous, je ne veux pas dormir, non. C'est quoi? C'est obligé le direct. Non, moi, je n'aime pas les choses comme ça. Je salue mon gars. Je voulais faire un big up, une dédicace à mon gars. À l'homme de ma vie que j'aime. On est un peu en problème en ce moment. Mais je voulais te dire que je pense énormément à toi. Tu me manques. Hein? Je pense comment tu as arraché ma perruque. C'est que tu m'as fait l'autre jour. Arracher ma perruque. C'est que tu m'as fait l'autre jour. Je t'aime beaucoup, mais tu es trop jaloux. Tu es trop jaloux, chérie. Tu es jaloux pour rien. Et ta jalousie est trop mal placée. Et c'est ça qui va nous séparer. Je voulais faire un big up à mon amour. Tu te connais, mon chéri. Je t'aime énormément. Viens, je t'épouse. C'est un gars qui m'a dit que je viens, je t'épouse. C'est qui comme ça? Hey, pardon. Viens, tu m'épouses. Comme j'ai seulement parlé, il y a un gars qui m'a envoyé les demandes de viens, je t'épouse. Je voulais faire saluer l'amour de ma vie. Je t'aime de tout mon cœur, mais de toute façon que tu as arraché ma perruque l'autre jour, ça m'a fait trop mal. Hein. De toute façon que tu m'as brutalisée.
Je vais débloquer tout le monde demain. Je vais aller au cyber. Je n'ai pas l'ordinateur. Et le portable, on débloque pas avec le portable. Je salue mon gars. Tu me manques énormément depuis qu'on a les problèmes. Et je t'aime beaucoup. Sache que je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Je ne supplie jamais l'amour. Mais avec toi, tellement je te sens, tellement je suis bien avec toi. Je suis bien avec toi, on fait bien ensemble. Je sais que tu me regardes. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Je ne vais pas dire ton nom parce que si je dis, tes amis vont directement t'appeler. Je ne vais pas leur donner cette occasion. Parce que ce sont eux qui t'appellent souvent pour te dire les choses que oui, elle en dirait, elle a dit ceci. Je ne vais pas appeler ton nom, mais sache que je t'aime. Et que tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué. J'ai essayé de t'appeler 36 fois aujourd'hui. J'ai essayé de te joindre 36 fois. Je suis venue devant chez toi. J'ai tapé la porte. Tu n'as pas ouvert. Et je t'aime. Mais tu m'as trop brutalisée. Ne brutalise pas une femme qu'on aime. Ça me brutalise. Si je tombe, je meurs. Je t'aime. Quand je dors à tes côtés, j'ai pas envie de trop me retourner la nuit, quoi. C'est-à-dire, quand je dors à tes côtés, je prends une position et cette position, elle est tellement réchauffante. La position que tu connais, non, ma position que je regarde toujours de l'autre côté. Et quand je sens tes bras sur moi, ça me rassure, ça me fait du bien quand je me sens protégée par toi, chérie. J'aime dormir chez toi, mais tu sais que si je ne viens pas souvent dormir chez toi, c'est parce que je ne vais pas laisser maman. Tu vois, je ne vais pas la laisser pour venir dormir chez un chaud. Je t'aime. Maman, le gars connaît. Merde. Le gars. Non. L'amour est vrai. Je l'aime. Partez dormir. Bonne nuit. Je vous aime. Bisous à tout le monde. Bisous, mon chéri. Sache que tu me manques et tout. Je t'aime de tout mon cœur. Dès que je viens à Kuala Lumpur, je te prends dans mes bras. Bisous. Je t'aime, bonne nuit à tout le monde, je vous aime et rendez-vous au Canada, rendez-vous ce week-end. Christelle Tanja est rentrée du pays. Bonjour ma veuve, bonne arrivée, bon retour. J'ai vu que tu étais au pays, tu étais à la chefferie, c'était trop bien. Aïe. J'aime tellement mon homme. Mais mon homme est trop jaloux. Oui, quand il vient, surtout, il est ouvert. Ouais, j'aime ça. J'aime quand un homme est ouvert. C'est-à-dire, tu peux lui brancher tes copines. J'aime ça, quoi. J'aime ça, un homme qui a l'esprit ouvert. Jacques, j'ai envie de lui dire, chérie, j'aime ça, hein. J'aime la tous pas, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. J'aime quand mon homme, pas qu'il me trompe, quoi, mais j'aime quand il a envie d'une autre. Et c'est moi qui trouve celle-là. C'est comme ça, je sais pas, peut-être, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Il cogne bien et voilà. Je me souviens la dernière expérience que j'ai passée avec mon gars et tout.
j'avais trouvé une voilà, j'ai trouvé une amie, pas une amie fille comme ça et tout, que voilà, je m'entends bien avec, je lui ai invité, je dis à mon homme, mon amour, j'ai envie que voilà. Et mon gars a pris son pied avec elle. Et j'étais devenue jalouse, furieuse. C'est-à-dire que j'étais tellement énervée. J'ai dit, mais attends chérie, mais tu as duré avec elle. Je ne comprends pas. Et tu t'es dit... J'ai dit... Et puis la fille m'a dit le matin, ton gars m'a dit qu'on pouvait se revoir encore après. J'ai dit, chérie, tu as osé dire à cette fille que vous pouvez vous voir après. J'étais tellement énervée. J'ai dit à mon gars que chérie, plus jamais tu auras une touche pas. La touche pas, tu ne contactes pas une personne que c'est moi qui amène. Mon gars m'a demandé pardon. Et tout, quoi. Hey, bisous, bonne nuit. Bye bye, je pardonne.